Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes chers collègues, mesdames, messieurs journalistes, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour cette réunion de conseil municipal et par avance mes excuses pour la voix nasillarde que je vous amènerai à subir ce soir. C'est dû à une méchante grippe, comme ça court actuellement, puisque même mon médecin m'a dit qu'il est atteint de la grippe. Alors donc, voilà. À partir de ce moment, nous avons un important conseil qui nous attend ce soir, avec Monsieur le DGS, combien d'affaires inscrites à notre jour, 27 affaires, juste approbation du PV. Je propose donc que l'on commence tout de suite à user des formalités habituelles en effectuant l'appel des présents, et je demanderai à notre ami Christian Landry de bien vouloir s'y plier. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, le conseil de ce soir est présidé par Patrick Le Breton, Christian Landry. Présent. Inelda Bossillon. Présent. Harry Mussard. Présent. Rosandré Mussard. Axel Vienne. Présent. Jocelyne Batifoulier. Présent. Henri-Claude Yebeau. Blanche Le Breton, Jean-Daniel Lebon, Marie-André Le Joyeux, Monsieur Harry-Claude Morel est représenté par Monsieur Harry Mussard. Arrivé en séance, mais était pris sur d'autres obligations. Madame Gilberte Gérard, Monsieur Guy Lebon, Madame Raymonde Vienne, elle est en route sûrement. Monsieur Gérald Kerbidi. Excusez-moi. Monsieur Waro Janik. Absent. Pas là. Madame Blanche Rennes-Javel. Présent. Monsieur Jean-Marie Grondin. Présent. Madame Waro Claudette a donné procuration à Madame Blanche Le Breton. Marie-Jo Lebon. Monsieur Jean-Denis Naz, Madame Marie-Josée Huette, Monsieur Henri-Claude Huette, Madame Lucette Courtois, présent. Madame Corinne Etève, Monsieur Mohamed Jaffar, présent. Madame Boyer-Julie, absente. Monsieur Payette Yanis a donné procuration à Madame Bossillon. Madame Marilyn Georget. Monsieur Waro Sylvain a donné procuration à Madame Marie-André Le Joyeux. Monsieur Alain Guézelot. Il est absent. Monsieur Fontaine Olivier. Il est absent. Madame Francom Brigitte est représentée par Monsieur Alain Guézelot qui n'est pas là. Donc, elle n'est pas représentée. Madame Marie-Pierre Assati, absente. Monsieur Rivière-François, absent. Madame Payette-Précilia a donné procuration à Monsieur Fontaine-Olivier, qui est absent. Madame Rosemée Guézelot est absente. Et Monsieur Harry Mallet est absent. Le quorum est atteint. Nous pourrons valablement délibérer sur les différentes affaires inscrites à l'ordre du jour, en espérant que nos collègues notés absents, pour, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, nous rejoignent dans quelques instants. Bien, avant de d'aller plus loin, nous allons donc désigner un secrétaire. Monsieur Fontaine Olivier est arrivé. Bonsoir. Donc, il est présent. Et Madame Priscilla Payette est représentée. Et Monsieur Alain Guézelot. Et Monsieur Rivière. Bienvenue, monsieur. Bienvenue à vous, on avait déjà effectué l'appel.
le quorum étant largement atteint. Bien, je propose la candidature de M. Gérald Kirbidi comme secrétaire de séance. C'est bon ? Pas de problème. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Chers collègues, comme nous avons pris l'habitude, chaque séance de conseil municipal est un moment qui nous permet de consacrer une minute de silence pour rendre hommage donc aux Saint-Josephois et Saint-Joséphoises disparus entre les deux séances, la dernière et celle d'aujourd'hui. Nous aurons ce soir une pensée particulière pour M. Jean-Hugues Bénard, qui est décédé le 4 août 2019 à l'âge de 56 ans. Connu sous le nom de Tibet, il était employé communal depuis 2002 en tant qu'ouvrier du bâtiment. Une pensée également pour Mme Colette Sautron, née Cazot, décédée le 1er août de cette année à l'âge de 85 ans, celle que tout le monde surnommait affectueusement Madame Leu, était employée communale en tant que cantinière dans les écoles du Butor et de Badjamti. Elle avait fondé l'association Le Club de la Paix en 1986, dont elle a assuré la présidence avec son mari jusqu'en 2015. Pensez également pour Madame Marie-Gillette Duchemann, née Ojar, décédée le 7 août 2019 à l'âge de 82 ans, femme dynamique. Elle avait fondé avec son mari le Moulin Rouge et d'ailleurs la salle de réception dans quelques mois qui sera livrée portera son nom. Donc le Moulin Rouge, qui était une boîte de nuit populaire, fréquentée par de nombreuses générations de Saint-Joséphoises et de Saint-Joséphois, peut-être pas nous, mais plus anciens, oui. Enfin, j'y ai été aussi, moi, hein. Je ne vais pas jouer trop jeune. Hein. Voilà. Enfin, M. Louis-Daniel Turpin, qui nous a quittés le 6 septembre 2019 à l'âge de 51 ans. M. Turpin était agent de Renéo. Il travaillait depuis plusieurs mois à la station d'épuration de Saint-Joseph en tant qu'électromécanicien. Et sa disparition brutale a touché plus d'un. À toutes ces familles endeuillées, nous présentons bien sûr toute nos sympathies et nous allons observer donc une minute de silence, comme je l'ai dit. Je vous remercie. Bien. Comme on vous l'a dit à l'instant, nous avons quelques 27 affaires. Et avant d'embrayer sur ces 27 dossiers, je vous propose donc d'approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 24 juillet 2019. Y a-t-il des questions ? Pas de remarques, pas d'interrogations. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Bien. Premier point à l'ordre du jour, c'est une promesse synagmatique de bail à construction sur le projet hôtelier qui va se faire donc à Manapany-les-Bains. Nous avons donc choisi ce soir le moment de vous présenter ce dossier. La présentation du projet nous sera faite par Monsieur l'architecte Simon de Palmas qui nous a rejoint. Et il y aura ensuite une présentation de l'affaire par Laura Waro qui est donc chargée de dossier économique à la direction des affaires économiques. Monsieur de Palmas.
Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez ? C'est bon ? Bonsoir à tous. D'abord, je tiens à excuser M. Dijoux, le directeur de l'hôtel, qui est souffrant et du coup qui ne pouvait pas venir m'assister dans cette présentation. Aujourd'hui, on a travaillé sur un projet d'hôtel de 30 chambres avec restaurant, accueil, bar, piscine, etc. sur la partie à proximité du bassin de Manapani. Donc on a aujourd'hui une grande parcelle agricole qui a été déclassée il y a plusieurs années et qui nous permet de travailler sur un hôtel qui s'inscrit dans un site assez spectaculaire, assez beau, avec aujourd'hui une liberté d'expression qui est assez forte. Et on a décidé de travailler à la fois sur l'architecture, mais également sur le paysage, pour arriver à redonner un sens également au terrain. Donc, sur le terrain, on va travailler sur plusieurs blocs bâtis, afin de ne pas créer d'éléments architecturaux trop imposants, à part le bâtiment principal qui, lui, sera, qui va accueillir les plus grandes activités, notamment, comme je disais précédemment, le restaurant, le bar, la piscine, la partie séminaire également, une petite boutique et les espaces du personnel. Ensuite, on retrouvera du coup un parking qui permettra d'accueillir l'ensemble des visiteurs du site, un spa, ainsi que 6 blocs de chambres qui s'inséreront dans le site, malgré la déclivité du terrain. Donc, tout ce qui est réseau et voirie sont prévus dans le cadre d'aménagement de la zone. Et d'un point de vue paysager, comme le terrain est extrêmement vide, aujourd'hui c'est un grand champ de canne, on a décidé de travailler par touches d'apports végétaux, avec la conservation de certains bosquets existants et l'intégration de nouveaux bosquets qui nous permettront de jouer sur les vis-à-vis sans avoir à créer une nouvelle forêt dans les années futures. Le but étant vraiment d'arriver à travailler sur un jardin bien pensé, avec une insertion de végétation locale, avec une préservation notamment de toute la réserve GECO à proximité, pour favoriser l'évolution du site dans le sens du développement de Manapani. L'hôtel du coup sera composé de 30 chambres, et le but pour nous en tant qu'architecte, c'est de vraiment retravailler l'architecture créole en intégrant des matériaux traditionnels. On va retrouver du bois, on va retrouver de la pierre, on va trouver tous ces éléments-là, de la tôle ondulée, etc., pour arriver à rester dans un dialogue urbain avec cette sensibilité douce de l'architecture créole, tout en intégrant une grande ligne contemporaine sur notre architecture. Le bâtiment principal sera suffisamment imposant pour s'asseoir dans le site. Et en partie haute de ce bâtiment, on retrouvera des claustras bois assez imposants qui permettront d'insérer à l'intérieur de ce bâtiment largement ouvert un maximum d'ombre pour préserver les consommations excessives d'électricité en cas de climatisation ou de forte chaleur. Donc on est vraiment sur cet entre-deux, entre l'architecture traditionnelle créole et la pointe de modernité qu'on cherche à intégrer dans cet hôtel. Donc, au rez-de-chaussée du bâtiment principal, on retrouvera un grand patio central végétalisé dans lequel on pourra faire tout ce qui tient à l'accueil, mais également en cas de cyclone ou en cas d'intempérie, de pouvoir accueillir les personnes à l'intérieur de ce bâtiment protégé pour éviter tout déplacement à l'intérieur du site qui est très grand et du coup pour vraiment travailler sur la sécurisation des personnes. Ce patio donne également accès à la partie restauration, à la partie bar et à l'ensemble de la partie piscine. À l'étage du bâtiment, on retrouvera des salles de séminaire qui nous permettront également de répondre à la demande locale du secteur tertiaire. Et tout cet ensemble de salles de séminaire aura également vue sur ce patio, mais également vue sur l'ensemble de la baie. Comme vous pouvez le voir sur la première perspective, l'idée étant vraiment d'arriver à asseoir ce bâtiment au sein du paysage, qui est un paysage à construire, mais avec une grande perspective à horizon, qui est la baie de Manapani. Et du coup, l'idée étant vraiment d'ouvrir toute la partie rez-de-chaussée, qui est largement ouverte au public, qui, elle, aura un panorama quasi 360 degrés sur cette baie existante.
Donc on retrouve sur cette image également la perspective sur la baie. Et sur la perspective d'après, on a l'image de ce qu'on va créer à l'intérieur du patio, qui sera un patio végétalisé avec un ensemble de bancs, etc., pour vraiment faire rentrer également la végétation et le côté tropical du site à l'intérieur du bâtiment. Okay. Le bâtiment du spa est un petit bâtiment à beaucoup plus petite échelle. On va retrouver une association entre des blocs maçonnés et des blocs complètement ouverts avec une charpente de bois qui nous permettront de jouer vraiment sur les volumes, sur les perspectives et de cadrer le paysage comme on l'entend. Donc sur ce plan-ci, vous trouverez l'accueil du bâtiment qui sera quelque chose d'assez succinct mais très ouvert sur le paysage. La partie vestiaire et ensuite deux blocs bâtis un peu plus fermé pour des activités de soins, de bien-être, avec une partie eau et une partie massage. Les matériaux utilisés seront essentiellement le bois et une charpente en bois avec une toiture en tôle ondulée, des blocs bâtis en maçonnés pour les espaces intimes, et toujours ouvrir ce bâtiment sur le paysage. L'idée étant vraiment, même à l'intérieur des blocs dans lesquels on va recevoir les soins, de retrouver des percées visuelles, des cadrages architecturaux du paysage qui nous permettront vraiment de profiter au maximum de cette vue magnifique dont dispose le site. Ensuite, les blocs de chambres. Donc on a créé des petits bâtiments de chambres pour éviter d'avoir des grandes colonnes de bâti. Ça nous permet deux choses. De un, d'intimiser quand même l'hôtel, malgré le nombre de 30 chambres. Et de deux, de pouvoir permettre vraiment l'évolution des eaux, que ce soit les autres sur le terrain et l'intimité de chaque chambre les unes par rapport aux autres. Donc on a des blocs de chambres qui sont avec trois chambres au rez-de-chaussée, deux chambres simples, une chambre double au rez-de-chaussée. Et à l'étage, on retrouve deux chambres simples et une terrasse collective pour pouvoir profiter également de la vue. Donc ces bâtiments seront en béton essentiellement pour préserver l'acoustique et la facilité d'intervention sur le terrain, mais on y retrouvera des murets en pierre, moellons traditionnels, pour permettre de créer ces espaces d'entrée, ces jeux d'entrée, et on retrouvera, comme dans le bâtiment du spa, une charpente bois avec des tôles ondulées qui nous permettront également de répondre à l'idée qu'on a aussi également des matériaux créoles sur ces éléments-là. Quelques claustras bois nous permettront de privilégier l'intimité de chaque chambre, et tout le reste de l'intimité, des jeux de perspective seront créés par la végétation. Parce que vraiment, l'idée, c'est d'avoir ces blocs bâtis construits sur le terrain, mais de redynamiser le terrain en végétalisation pour lui donner une dynamique beaucoup plus douce qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le terrain, mais c'est une grande pente en champ de canne qui nécessite un très gros travail de végétalisation. Est-ce que je peux vous répondre à vos questions ? Si vous en avez. C'est bon ? Le permis de construire a été déposé le 29 août dernier. Et est en cours d'instruction par les services de l'urbanisme de la mairie pour un arrêté délivré au plus tard début décembre 2019, ce qui nous ramènerait sur le calendrier suivant. La signature du bail à construction d'ici fin décembre 2019. Le démarrage des travaux, notamment des terrassements, en mars 2020 pour une ouverture au public deuxième semestre 2021. Donc, au vu de la nature de ce projet, il est demandé au conseil municipal d'approuver les modalités financières à intervenir dans le cadre du bail à construction entre la commune et la société d'exploitation hôtelière du casino du Sud Sauvage pour une durée de 40 ans. Dans le principe, il s'agirait d'appliquer un système de loyer progressif en quatre étapes. Dans la première phase, il s'agirait d'accorder la gratuité des loyers jusqu'à l'ouverture au public de l'hôtel et dans la limite des 2 ans. C'est la période estimée pour la réalisation des travaux.
un temps intermédiaire où on fixerait un loyer revu à 2500 euros par mois pendant une période de 5 ans. Après ces deux étapes, on considère que le projet est sur les rails et que le montant peut être fixé à 4500 euros par mois. Dans une hypothèse d'extension à 50 chambres, le loyer évoluerait à 5500 euros par mois. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les conditions susmentionnées, qui seront ensuite intégrées au projet de bail à construction, qui interviendrait donc entre la commune et l'entreprise, et d'autoriser le maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Peaufiner les questions. Bien. Alors, je voulais juste vous partager avec vous donc le courrier que m'a envoyé le promoteur, qui est M. Dijoux en effet, le 9 septembre dernier, M. Jean-Patrick Dijoux, président directeur général de SEHCSSA, donc le projet d'hôtel, donc ce serait le Manapani Bay. Et donc le courrier du 9 septembre nous dit « J'accuse réception de votre proposition de fixation des principales conditions du bail en construction et vous en remercie. Notre volonté de construction et d'aménagement d'un hôtel à Manapani à classé 4 étoiles est constante depuis nos premières réunions de travail. Aussi, après votre autorisation, nous avons déposé une demande de permis de construire le 29 août dernier pour ce projet de 30 chambres et ses bâtiments annexes sur la parcelle susvisée. De 3 hectares 3 devant abriter cet hôtel et ce pour faire avancer sa concrétisation. Donc, comme il vous l'a été précisé, le permis de construire a été déposé le 29 août. La délivrance est prévue pour début décembre. Et donc, nous sommes, comme il vous l'a été présenté également, donc sur un profil de bail à construction, hein, pour des débuts de travaux en mars. Voilà. Et une livraison deuxième semestre 2021. Donc, je pense qu'il y a certainement un effet dynamique dont parlait Mohamed Jaffar sur les ondes d'une radio ces jours-ci. Et je pense qu'en effet que nous sommes dans cette voie-là et c'est tant mieux. S'il n'y a pas de questions, oui, M. Rivière. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. On peut effectivement se réjouir de la mise en place de ce type d'infrastructure sur le sud, puisque quand certaines manifestations sportives ou culturelles sont organisées, il y a parfois du mal à trouver de quoi s'héberger. Et tous les efforts donc, qui sont faits au niveau local donc, sur cette politique du Sud sauvage, avec la mise en avant de tous nos charmes, vont permettre aussi, je pense, à une clientèle, alors, je pense que les études ont déjà été faites, mais au vu du profil, je pense qu'il y a quand même une bonne partie de la clientèle locale du Nord qui serait peut-être à ce moment-là intéressé par des séjours donc sur la zone. Moi, j'avais juste une question juste concernant donc le choix donc de ce projet. S'il y avait eu d'autres candidatures donc pour des structures de ce type sur la zone de Saint-Joseph, hein, de manière globale, pas que Manapani. Et juste par rapport au prix déterminé au niveau de l'allocation, si ça rentre dans des calculs liés au domaine, etc. Donc, juste pour voir quelques éclaircissements sur ce point. Alors, sur la question de
Y a-t-il eu plusieurs qui sont venus sur le projet? Oui, on était sur un projet d'école d'application il y a une année, avec donc une structure qui émanait du rectorat, et à croiser avec un projet hôtelier qui était porté par l'ancien responsable du PALM. Mais ce projet a fait chou blanc pour une raison très simple. Quand l'un était prêt, l'autre ne l'était pas, et vice-versa. Donc on a choisi de faire un gros travail en temps masqué, comme M. Le Dijou le laissait entendre dans son courrier. Et nous sommes aujourd'hui, en effet, prêts à pouvoir, donc, je dirais, attaquer les travaux, après, bien sûr, tous les préliminaires administratifs et réglementaires qui conditionnent une telle réalisation. Nous avons posé quelques exigences environnementales, pratiques, par exemple, au contraire du PALM, qui est un certain standing, si ce n'est un standing certain, cet hôtel sera un hôtel qui, en quelque sorte, interpénétrera le quartier de Manapani. Il n'était pas question de le mettre complètement à part, bien au contraire. Et d'ailleurs, avec la collectivité régionale, le service du tourisme, une desserte appropriée à partir de la trois voies en haut avait été donc envisagée et reste à la fois une voie de dégagement et de délestage possible pour les Manapaniens et, accessoirement, on dira comme ça, ou en même temps, parallèlement, donc aussi pour ceux qui accèdent à l'hôtel. Maintenant, l'hôtel peut être un bon prétexte de développement de quartier, mais Manapani a son histoire, a ses atouts. Il était important qu'on ne sacrifie pas le GECO vert, mais aussi le GECO humain manapanien. Donc, ces éléments-là ont bien été pris en compte. Et vous avez vu dans la présentation architecturale, et de même dans le choix des matériaux, ce qui, aujourd'hui, donc, nous met véritablement sur la voie de ce promoteur. Après, je vais vous dire une chose, en matière de construction, à La Réunion, et notamment d'hôtels, le plus dur est de trouver justement les gestionnaires. L'hôtel sur lequel, et le promoteur sur lequel on est tombé, on a une chance puisque c'est celui qui a l'hôtel Villa de Lille, le restaurant et l'hôtel de Saint-Pierre. Hein. Comment ? De Lille. Et c'est plus un hôtel d'affaires. Et souvent, il est réclamé de la part d'une clientèle qui, même quand elle vient pour les affaires et découvre La Réunion, je dirais un sujet un peu plus attrayant, plus touristique, moins bruyant que les vendredis, samedis, dimanche soir que la Marina et ses abords à Saint-Pierre peuvent offrir. Et il y avait donc eu cette opportunité. En même temps, pour nous, ça correspondait à un aboutissement logique, puisque si on a beaucoup travaillé depuis 2001 avec les acteurs touristiques et agro-touristiques, dans les Hauts ou même sur le littoral, je crois que le moment était venu aujourd'hui de faire se croiser en quelque sorte, je dirais, ces deux porteurs d'un tourisme. S'il est différent quelquefois, il peut être complémentaire souvent. Donc, c'est ça, je dirais, les critères qui seront apportés chez nous. Maintenant, oui, il y a bien sûr, puisque nous sommes une collectivité, des visas par France Domaine, mais aussi par un notaire, puisqu'on a fait travailler là-dessus, et je pense que Laura peut peut-être apporter quelques précisions ou Monsieur le DGS en termes de montant ou de prix sur ce qui a été mis en place. Dans un tel projet, le but est surtout de ne pas tuer dans l'œuf le promoteur du projet, mais de lui permettre justement de faire se réaliser les choses. Et je pense que vous avez vu la graduation, on commence avec 30 chambres, avec une possibilité ensuite, déjà marquée sur le territoire, de 50 chambres. Et ce qu'il y a de bien, Monsieur Rivière, c'est que les promoteurs potentiels locaux et restaurateurs ou autres travaillent aujourd'hui avec cette possibilité d'implantation. D'ailleurs, sur un des précédents projets, il était prévu, la demande était faite de prendre donc la salle communale actuelle, l'ancien restaurant de Manapani. Dans ce projet, il n'en est pas question, et c'est fort heureusement que nous n'avons pas à le faire. Et d'un autre côté, ça aidera et ça prétextera, comme j'ai dit tout à l'heure,
à pouvoir véritablement lancer le développement de ce coin important qui respecterait, je l'ai dit, l'environnement, sous tous les sens du terme environnement, mais également nous positionne désormais à être comme Petite Île ou d'autres communes qui ont la chance d'avoir un bassin de baignade à son extension demain. Donc nous, on aimerait bien donc porter au double, voire deux fois et demi, donc la capacité ou le périmètre de baignade que l'on a sur le bassin. Voilà, monsieur le DGS. Oui, en ce qui concerne le prix, en fait, ça a forcément fait une évaluation domaniale. Évaluation qui tient compte de la durée d'amortissement, la durée du contrat. Donc il faut savoir que là, on est sur un contrat d'une durée de 40 ans. Bon, sans donner trop d'éléments financiers, vu que ça fait l'objet d'une négociation aussi avec le prestataire, on est complètement dans ce qui se pratique par ailleurs sur les mêmes types de terrain et de produits, en sachant que là, effectivement, il y avait un souhait aussi d'accompagner aussi la montée en charge de cet hôtel en termes de taux de remplissage. Mais on est tout à fait dans la pratique du marché en la matière. Et ça a fait l'objet de négociations, au moins trois séquences de négociations et d'aller-retour pour fixer, entre guillemets, le plus juste prix, en sachant que là, en l'espèce, le contrat n'est pas de 50 ans, il est de 40 ans aussi, avec un retour en propriété pour la collectivité à terme. Donc, bon, ça, on n'est pas dans ce cas de figure là encore, mais on est sur cette épure-là. Et on est sur les fréchettes pratiquées. Donc, et le bail se fait par l'intermédiaire d'un notaire aussi pour que ça soit très encadré juridiquement là-dessus, quoi, parce qu'on en fait. On en fait malheureusement pas assez en termes d'ouverture d'hôtel. Donc effectivement, on s'est fait accompagner en conséquence. Voilà. L'investissement est de l'ordre de 5 millions dans un premier temps et 8 millions sur la structure totale qui porte sur 50, hein, je crois. Hein, sous réserve. Oui. Oui. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. J'allais effectivement poser une question sur l'investissement, donc la réponse m'a été donnée avant la question. J'ai vu que dans la présentation, dans le rapport, que la société d'exploitation avait déjà reçu un courrier de la collectivité régionale, notamment dans le cadre de la mesure 302 du FEDER, aide de vos investissements pour la création d'entreprises. Monsieur le maire a insisté sur les conditions environnementales. J'aurais deux questions, notamment sur le volet énergétique, le volet développement durable, parce qu'on a été sollicité, enfin vos services nous ont sollicité, pour voir dans quelle mesure, effectivement, on pouvait apporter notre soutien, notamment dans le cadre des mesures régionales, à ce projet notamment, et sur notre projet, notamment sur un restaurant. Donc on va répondre favorablement à cette demande. Puisqu'il ne s'agit pas, comme je le dis à chaque fois, d'entrer dans de la politique politicienne. Saint-Joseph avait besoin d'un tel outil. Je souhaiterais également, à terme, mais l'avenir nous dira, que ce type de projet aussi puisse être déplacé, et pourquoi pas, vers l'est de la ville, parce qu'on en a besoin. Voilà. Sur l'est de la commune. Sur l'est de la commune. J'ai dit de la ville, mais c'est de la commune, effectivement. Donc sur les conditions environnementales, bien entendu, il est peut-être pas trop tard aussi, pourquoi pas faire en sorte que ce bâtiment soit énergie positive, parce qu'il y a des financements qui existent. Donc on va, si on est sollicité, on va effectivement vous apporter les éléments nécessaires pour vous accompagner, comme on l'a fait sur Leclerc, puisque Leclerc nous a sollicité aussi pour la partie photovoltaïque, pour éviter une partie de sa consommation. Donc on l'a fait. Ça veut dire que le cas au début, ils se sont rattrapés en cours. Ouais. C'était pas le cas au début, mais on l'a fait. Ouais. Donc ça veut dire qu'on arrive à travailler en bonne intelligence, dans l'intérêt des Saint-Josephois, bien entendu. Donc on va voter ce rapport et on est à votre disposition, en tout cas en tant que conseiller régional délégué aux énergies nouvelles et durables et solidaires. On est à la disposition, bien entendu, de cette société et de vos services, si, bien entendu, on est sollicité, on a été sollicité officiellement, donc c'est un bon pas déjà. Ça veut dire que on arrive de mettre de côté entre guillemets certaines incompréhensions et que lorsqu'il s'agit de l'intérêt général, on arrive à travailler ensemble. Très bien. Je relève ça, et pour ce qui concerne les possibilités en d'autres endroits, je crois que on voit un petit peu le montant d'un tel investissement, et on
pense pas que n'importe qui peut véritablement se lancer là-dedans sans avoir un minimum les reins solides, si je puis dire, pour parler crûment. Et donc, il y a en effet quelques terrains qui sont aujourd'hui ciblés. Un autre sur Manapani, un sur Vincent d'Eau, un sur Langevin, mais ce sont des possibilités, que ce soit en termes de lodge ou enfin c'est de capacité de restauration, etc. Mais en la matière, en bon rural de l'étape, on préfère mettre un pied avant l'autre, hein, et répondre, si je puis dire, à l'adage qui trop embrasse mal étreint. Donc, allons pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Vraiment, là, dans l'approche, on a été vraiment petit pas, petit pas. Le précédent était un beau projet, mais malheureusement, comme je disais, deux acteurs, il y en avait déjà un de trop, puisqu'ils n'arrivaient pas véritablement à se concorder en termes d'agenda et de calendrier d'approche. C'est dommage, mais en tout cas, là, je crois qu'aujourd'hui, on tient tout simplement à... déjà, dans le fait de séquencer en deux étapes, hein. Une première qui, avec 30 chambres, donne une certaine assurance de capacité à dérouler, et une deuxième qui, si justement la marche avec 30 chambres est assurée, de pouvoir justement étendre et partir en capacité. Et c'est vrai que si on parle en termes de développement durable avec le bel argument que l'on a avec la préservation du GECO de Manapani, il serait bien de ne pas se limiter qu'à là, mais aussi de travailler sur tout ce que nous pouvons véritablement développer aujourd'hui, en particulier en matière d'économie sur l'eau et puis sur l'énergie. Et je saisis la balle au bon pour vous dire qu'on avait suivi le dossier Leclerc. Je me demande même si vous n'aviez pas été à une des réunions, M. Guesdeau, en CDAC, où le projet initial, par exemple, ne prévoyait pas autant de parking, et ils en ont rajouté. Parce qu'ils avaient tiré les leçons des erreurs de Saint-Leu, Portail. Et d'un autre côté, donc, à l'époque, il y avait une forte interrogation qu'avec une telle portance de toit, il n'y avait pas eu encore donc de caler un projet photovoltaïque. Et aujourd'hui, donc, il a pris par vos soins et ceux du promoteur, donc, enfin, la possibilité s'est concrétisée. Donc, je pense que là-dessus, s'il y a lieu. Bien évidemment. Bien sûr, l'idée étant vraiment de s'insérer dans le site de la manière la plus douce possible. Nous, l'ensemble du d'aménagement du terrain sera raisonné et fait de manière la plus douce possible. Après, d'un point de vue économie d'énergie et éco-responsabilité des bâtiments, dans le cadre d'un hôtel, contrairement à un centre commercial, les besoins sont extrêmement fluctuants en fonction de la période et de l'occupation du site, mais tout sera fait pour arriver à obtenir le maximum de résultats positifs sur cette opération, notamment bien évidemment chauffe-eau solaire et ventilation naturelle optimisée. Donc c'est comme ça qu'on a conçu l'ensemble des chambres et du bâtiment principal. Et pour rebondir sur la partie évolutive du projet, c'est aussi dans un cas de mise en route d'un hôtel, on a toujours 2, 3 à 5 ans de lancement d'une opération qui nous permettront d'avoir une stabilité financière qui pourra nous permettre de faire ces travaux complémentaires. Ces travaux complémentaires pourront porter à la fois sur l'augmentation du nombre de chambres, mais également sur l'apport de nouvelles activités, notamment une salle de sport, des villas un peu plus luxueuses que les chambres proposées en premier lieu, et d'autres éléments complémentaires en termes de séminaires et de réception des personnes. Donc vraiment, on est dans une hiérarchisation du projet, que ce soit économique, architectural et dans l'éco-responsabilité de l'ensemble. Ça a été dit, je pense, tout à l'heure, il y a aussi donc un exercice de permaculture qui s'opérera avec notamment un potager bio. Je pense que ces tendances, c'est dedans et ça se complète. Alors, sur ce point-là, nous, l'idée, c'est vraiment d'arriver à, comme on a un grand terrain aujourd'hui agricole, c'est également de pouvoir permettre aux habitants du quartier de venir travailler par le biais d'une association qui pourra avoir un accord avec l'hôtel sur l'aménagement de certaines zones du parc et de travailler vraiment le retour à la terre en bio total, donc en permaculture. Et cette exploitation-là sera une dynamique importante pour le restaurant de l'hôtel,
puisqu'elle ira chercher directement une partie de ses légumes, du moins, dans ce potager qui sera associatif. On est vraiment dans une dynamique, à la fois exploiter les disponibilités de l'horizon proche d'un point de vue agricole, mais également de travailler sur de l'extrême local avec cette création de potager en permaculture. Bien. J'ai une question. Tu vois ? Oui ? Monsieur Gazelot. Une question sur le nombre d'emplois qui pourraient être créés à terme ? Je t'ai dit. On l'a oublié, moi, on m'avait dit certainement. Si je vous réponds là-dessus, je risque de vous dire des bêtises. Malheureusement, M. Dijoux, qui n'est pas là aujourd'hui, vous aurez répondu sans souci. Je n'ai pas les chiffres exacts. J'avais cru comprendre une trentaine d'emplois. Je ne sais pas si... mais bon, on redira. En tout cas, moi, je vais vous dire une chose. Il nous arrive d'aller aux Palmes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants à Saint-Joseph, et quand vous recevez... la banque du territoire ou autre, ou ses représentants, ben, c'est quelquefois là-bas qu'il y a beaucoup de Saint-Josephois qui y travaillent, et de Saint-Josephoises. Donc je ne doute pas un seul instant que ça ouvrira aussi les possibilités chez nous. J'avais cru entendre ce chiffre, ce montant, ce nombre plutôt, et donc on pourra revenir devant vous là-dessus, puisque M. Dijoux l'avait bien en tête hein, sur les deux séquences. OK ? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je me permets de vous dire que Saint-Joseph avait un seul hôtel, c'était l'hôtel de ville, et maintenant on va avoir un deuxième, ce sera son hôtel de tourisme. Donc je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Merci, mes chers collègues, pour votre unanimité sur ce projet structurant. Merci, Monsieur de Palmas. Merci, Laura. Bien, je souhaiterais que sur les autres dossiers, on soit un peu plus rapide, si possible. Et on va passer à l'affectation des résultats 2018, budget principal, budget des pompes funèbres. Oui, Christian Landry. Juste un mot. Oui. Dans le premier conseil municipal de Raphaël Babé, il avait fait adopter un plan de modernisation qui comportait un croquis d'un hôtel à Manapani. L'hôtel était loin d'avoir cette qualité architecturale, parce que c'était un hôtel des années 49, c'est-à-dire un cube avec deux ou trois étages et un toit à quatre pans. Mais bon, il y avait un projet d'hôtel. Donc finalement, 60 ans ouais, plus tard ouais. Ça se fait. 70 même. Ouais. Bien. Ça se trouve, on a épargné au bilan de Babé d'avoir un point pas trop favorable, mais bon. Voilà. OK, donc, affaire 2, c'est Joël Ouarot, monsieur le DGS. Sous contrôle du directeur des finances, bien entendu. En ce qui concerne affaire 2, donc, il s'agit d'affectation des résultats 2018, donc tant pour le budget principal que le budget des pompes funèbres. Donc, il s'agit d'une délibération habituelle, hein, donc, relative à l'affectation des résultats de l'année précédente. De plus, ces résultats ont déjà été affectés au niveau du budget principal 2019. Donc, pour 2018... Le résultat est de l'ordre de 5 403 000 euros. Il est affecté en premier lieu aux besoins de financement de la section d'investissement, donc qui s'établit à 3 785 127 euros et 35 centimes. Donc une fois qu'on a fait la consolidation des restes à réaliser. Et en second lieu, donc au fonctionnement à hauteur d'1 618 084 euros et 95 centimes. Donc, pour ce qui est du budget annexe des pompes funèbres, donc, il n'y a pas lieu d'affecter vu que le résultat est nul. Donc, il vous est demandé donc, de bien vouloir en délibérer. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Là-dessus, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Affaire numéro 3, eh bien, c'est consécutif à... C'est le vote de la DM numéro 1 du budget principal. Donc là, c'est une affaire classique en cette période de l'année aussi. Donc il s'agit des ajustements budgétaires, tant en dépenses qu'en recettes, qu'en fonctionnement, en investissement, donc la deuxième partie du deuxième semestre. Donc sur les principaux, enfin les mouvements les plus significatifs, donc en fonctionnement, en recettes, on a un petit ajustement de dotation globale de fonctionnement. On a la participation de l'ADACOI à nos dépenses de médiathèque sur du personnel. On vous avait passé la délibération en ce sens.
On a aussi donc le contrat enfant jeunesse qui va vous être présenté par la suite, qui permet d'ajustement de recettes par rapport aux recettes, enfin à la livraison notamment de la crèche de Vincent Do et aux évolutions de mode de fonctionnement des deux micro-crèches. On a en baisse par contre élément moins positif, donc c'est la taxe sur les carburants, donc qui est revue à la baisse à hauteur de 150 000 euros. Une légère baisse aussi au niveau du PIC, donc c'est le fonds de péréquation intercommunale. Donc ça, il s'agissait des recettes. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, donc on a une évolution au chapitre 011 qui correspond aux charges à caractère général. Une évolution à hauteur de 150 000 euros, donc 15 000 euros par rapport au contrat lecture donc avec la médiathèque et 135 000 euros sur les ajustements de dépenses assez habituels en la matière. On constatera sur les charges exceptionnelles donc l'intégration du contrat de concession sur lequel on n'avait pas les éléments en début d'année, donc là on intègre les dépenses et en parallèle on avait intégré les recettes aussi de l'autre côté. Voilà pour l'essentiel, je dirais. Et un ajustement à la baisse par rapport aux prévisions de dépenses sur les charges personnelles. En ce qui concerne la section d'investissement, par contre, donc là, on a des évolutions significatives sur nos recettes, avec donc le fonds exceptionnel d'investissement qui avait été sollicité au titre donc la réhabilitation de la rue Lecomte de Lille. Nous avons donc 1 200 000 euros de FEI qui nous a été attribué dans ce cadre. On a eu un complément aussi au niveau de la Caisse des dépôts sur les études d'Action Cœur de Ville à hauteur de 200 000 euros. Et on a aussi une convention sur les études Rivière des Remparts, donc sur le volet études, des dépenses qu'on avait portées depuis 3-4 ans, donc pour lesquelles on a pu contractualiser avec donc le service gestionnaire actuellement qui est donc la région. Et on a aussi quelques ajustements donc de nos dépenses d'investissement sans avoir recours à l'emprunt, donc principalement sur des clôtures d'opérations, notamment sur la crèche. Sur nos opérations à Range Notre Quartier, on a aussi des ajustements significatifs et des ajustements par rapport aux consultations qui ont eu lieu sur le premier semestre, notamment sur la salle de la Croisée et donc le skatepark et le parc Street Workout. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un cycle d'investissement qui a été très dynamique, et on est sur des prévisions de taux réalisation d'investissement qui sont assez exceptionnelles pour cette année, donc qui nécessitent qu'on fasse des ajustements à la hausse, et on devrait, en tout état de cause, en tout cas, atteindre les prévisions qui sont en la matière. Donc, ce qui vous est demandé au niveau de cette DM, donc c'est procéder à ces ajustements. Peut-être on vote global, monsieur le maire, peut-être poser la question et puis on possédera un peu. Pas d'opposition, point vote global. Vous avez des questions au préalable? Non. Bon. OK. Pas d'opposition, pas d'abstention sur le sens du vote. Donc on va sur la forme du vote. Ouais. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc sur la section de fonctionnement, ça s'équilibre à hauteur de 81 111. Donc, à mettre au vote. Voilà. Contre, abstention, très bien. Et sur la section d'investissement, donc un équilibre à hauteur de 1 673 263,91 euros, tant en dépenses qu'en recettes. Contre, abstention, très bien. Merci. Bien. Chers collègues, en affaire numéro 4, donc nous avons ce soir un projet d'aménagement. D'ailleurs, 4 et 5 porteront sur des projets d'aménagement qui touchent le secteur de Vincent Do, et notamment là, sur l'aménagement du chemin Gingembre. Et je vais demander à Axel Vienne, c'est ça, de faire la présentation du dossier, puisque c'est un dossier de travaux. Axel. Bonsoir à toutes et à tous. Sur l'affaire 4, donc, la présente délibération concerne le projet d'aménagement du chemin des Gingembre à Vincent Do, pardon. Il s'agit ici d'approuver donc d'une part le projet d'aménagement qui prévoit la création d'une voirie agricole sur un linéaire de 2800 mètres pour une largeur moyenne de 3,50 mètres, y compris le traitement des eaux pluviales, et d'autre part, il convient d'approuver donc le plan de financement prévisionnel de l'opération. Ce plan de financement prévoit une participation communale de 298 070,48 euros
sur un montant total de l'opération porté à 1 376 197,73 euros. Étant entendu que l'opération sera également financée par le FEDEA, par le FEADEA, pour 75% et 10% pour le Conseil départemental. Par conséquent, il demandait au Conseil municipal d'approuver dans le cadre de la modernisation des réseaux des voies agricoles le projet d'aménagement du chemin des gingembres, d'approuver le plan de financement prévisionnel des travaux relatifs à ce projet d'aménagement avec une participation communale de 298 070,48 € TTC et enfin d'autoriser le maire à signer les subventions y afférentes et à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Voilà, je pense que tout le monde peut convenir de la nécessité de la réalisation de cette voirie. Nous avons ce soir une délégation d'agriculteurs du secteur de Vincent Dau. Nous vous saluons d'ailleurs, mesdames, messieurs, hein, pour votre présence et on croit reconnaître dans celle-ci que vous nous encouragez à faire en sorte que ce dossier véritablement eh bien, se concrétise. C'est aussi notre avis. Donc on calera avec vous par rapport aux dates de pré-coupe, si je puis dire, hein, de l'année prochaine. Mais le calage est fait en tant que tel. Alors, je sais qu'il y a quelques interrogations qui sont portées. Nous devons mettre à l'étude aussi le chemin terrain galé, d'accord, hein, qui a connu de très fortes déprédations par les fortes pluies de Baie Guita et des autres phénomènes climatiques et météorologiques l'année dernière. De même que le chemin croisure à Grand Coude et quelques autres voiries sur un balai qui nous permettra après de savoir en fonction, je dirais, de la trésorerie, comment on y peut réaliser. Parce que si on mobilise du FEADER, si on est accompagné par la collectivité départementale là-dessus, tout le monde sait comment marche et fonctionne, je dirais, les dépenses en matière d'investissement. C'est que c'est le maître d'ouvrage, donc, qui porte toute la trésorerie de l'opération et les subventions n'arrivent pas avant qu'on le construise ou avant qu'on paye, justement, les entrepreneurs. Voilà. Y a-t-il des questions là-dessus, Monsieur Rivière? C'était juste par rapport on va dire, l'organisation des travaux et, j'irai sur, parfois, le rajout, parce que là, je vois que c'est prévu... l'ouverture de fossé, la traversée d'assainissement d'eau fluviale en traversée de chaussée. Juste, on va dire, faire une petite remarque aussi sur les chemins, la mise en place de tout ce qui est ralentisseur, etc., qu'on essaie de respecter un petit peu les normes, puisque la norme, je dirais, des gendarmes couchés, comme on les appelle communément, est claire, et malheureusement, il y a parfois des aménagements qui font que quand il pleut, les voisins rajoutent encore un petit béton le long. Moi, je pense notamment au chemin des Prunes, là, où il y a eu des aménagements qui ont été faits et on voit que les voisins ont remis du béton à côté, ce qui peut poser parfois des questions de sécurité. Et aussi la forme, on va dire, de ces ralentisseurs, puisqu'on est aussi sur un coût économique en termes d'amortisseurs de nos concitoyens Saint-Josephois. Donc c'est juste sur ce point-là qu'on soit, je dirais, un petit peu plus respectueux des règles normalement de mise en place de ce type d'équipement. Non. Très bien. Nous y souscrivons complètement, mais c'est vrai que la première norme serait le respect de la vitesse par les automobilistes et les usagers de la route. Et dans le plan que nous avons mis en place de réfection des routes par la mise en enrobée, hein, puisque la commune vise chaque année à réaliser à peu près 30 km, d'accord, pour résorber le gros problème que l'on a sur... 150 à 180 km de notre total de linéa qui fait 330, d'accord, voirie communale. Eh bien, le souci que l'on a, c'est que, ou plutôt l'approche que l'on a retenue a été celle de rencontrer les riverains. C'est le plus facile, hein. Et parce que dans le même temps, les riverains, c'est aussi ceux qui nous disent où les poser ces ralentisseurs et en même temps. C'est d'une certaine manière donc de les protéger, protéger leurs enfants, parce que nous connaissons que souvent, quand l'accident est produit, c'est trop tard. On vient toujours chercher les responsabilités là où elles ne sont pas forcément. Et
de ce que la population y préfère dans les contacts que nous avons établis, il y en a deux. Il y en a les cunettes, parce que les cunettes ont une approche, ou plutôt un effet de couloir d'eau, d'évacuation d'eau, après de ralentissement. Et puis il y a les cordons d'enrobés que les mis. Après, c'est vrai que si les gens rajoutent juste devant cette case, ben, ça t'y fait un double cordon d'évacuation aussi d'eau pluviale qui, des fois, n'est pas évacuée. Donc, voilà. Après, bon, il faut que c'est plus ou moins avec la population qu'on voit à quel endroit on réalise cela. Bon, là, on est en voirie agricole. On aura certainement une nécessité de le faire aussi, ça, c'est en termes d'évacuation. Mais, et c'est sur un bon linéaire, hein, vous l'avez vu, hein, c'est ce que ça porte. Bien. Oui, M. Guézot. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Je n'ai pas vu votre doigt. Le linéaire, c'est apparemment dans le rapport, c'est de 2,8 km. Moi, vous l'avez rappelé dans votre intervention, la nécessité, effectivement, de faire enfin ces travaux, puisque il me semble que ça fait un moment et des années que les agriculteurs du coin attendent cet aménagement. Il était important, effectivement, de le mettre en œuvre, même si, effectivement, il tombe peut-être à un moment où on peut se poser des questions. Mais l'essentiel, c'est que les choses avancent et que ces travaux soient réalisés. On se pose beaucoup de questions. Comment ? En ce moment, on se pose beaucoup de questions, mais on se pose toujours des questions. Bon. D'ailleurs, l'une des plus belles questions qu'on peut avoir dans la République française, c'est pourquoi il y a des élections chaque année. Si un maire ne devait pas agir parce qu'il y a des élections, ben, il ne lui ferait plus, hein. Parce que entre les élections présidentielles, les régionales, les départementales, les municipales, les législatives, les européennes, j'en oublie certainement, sans compter les référendums, les sénatoriales, donc voilà. Excusez-moi de vous avoir coupé, je voulais vous donner plus d'élan, M. Guézot. Non, mais je ne suis pas en campagne. Bon, très bien. Du moins, pas encore. Moi, je le serai bientôt, mais... Ben... Non, donc juste rappeler effectivement l'intérêt enfin que ces travaux sortent. Vous avez rappelé aussi tout à l'heure la nécessité notamment de peut-être apporter un regard particulier sur le chemin Galet, parce que c'est catastrophique. Donc vous allez faire des heureux, mais en même temps, certains vont se poser des questions. Pourquoi on n'a pas pensé à nous en même temps? Mais en tout cas, on va voter ce rapport, puisqu'il est essentiel pour les agriculteurs, notamment qui emprunte cette voirie, que ces travaux soient réalisés. Et je pense que vous avez saisi au bon aussi le fait que le PAC signé avec le département vous permet aussi d'obtenir 126 000 euros et donc de ramener la participation communale à 298 000 euros. Je pense que j'ai à peu près lu comme il faut le rapport. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est surtout en matière de trésorerie qui est difficile parce que et ça, c'est important de le dire aux agriculteurs, parce que, par exemple, réaliser 4-5 chemins dans une même année, pourquoi c'est pas possible? Parce qu'à un certain moment, il faudrait avoir 5 à 6 millions de trésorerie. Et ça n'est pas possible. Parce que, ben, on a d'autres dépenses que l'on doit faire en même temps. Oui. Je posais la question à M. Huette, mais au niveau du phasage des travaux, je pense que c'est aussi important de ne pas pénaliser sur la période d'exploitation, puisque on est essentiellement sur cette zone-là, sur une exploitation cannière. Mais du coup, en termes de temps et de conditions de réalisation, ça limite un petit peu les conditions d'action dans la durée. Alors, tout à l'heure, M. Guézot parlait de la période. Mais moi, même en période politique, c'est un dossier que moi, j'ai heureux de porter. Parce qu'on aura à programmer avec les agriculteurs, notamment du secteur de Jacques Payette, Vincent Dau et d'autres endroits aussi sur la commune, ce projet-là, qui n'est pas le seul. On a des nouveaux projets aujourd'hui qui se posent quand les agriculteurs de Jacques Payette nous parlent de la problématique de l'eau. Ben, peut-être qu'il faudra qu'on regarde, sans aller jusqu'à un réservoir des herbes blanches, mais essayer de trouver des solutions comme celle-là. Parce qu'on nous dit la canne, ça se termine. Et en même temps, qu'est-ce qu'on propose comme alternative? Il n'y a pas grand-chose. Et s'il faut que ça débranche sur le réseau d'eau potable, eh ben,
va revenir cher le poivron ou la tomate, quoi. Donc, ce que je veux dire. Et en même temps, ce sera en bout de réseau, il n'y pourra pas faire. Donc, ce sont des sujets importants. Et si vraiment on eût dit que l'agriculture n'a encore un sens, il faut que l'on mette en accord, je dirais, nos ambitions et nos réalisations. Et sincèrement, je ne crois pas que ce soit forcément le plus pourvoyeur, je dirais, sur le plan électoral. Non, c'est tout simplement parce que l'agriculture a encore un sens dans notre pays, et c'est parce que c'est l'agriculteur qui nourrit, je dirais, notre population, quoi que pourraient en dire d'autres personnes aujourd'hui. Mais sur cela, je voulais quand même dire que dans nos deux premiers mandats, on a été les plus gros consommateurs de la ligne qui portait sur les chemins bétonnés et agricoles. 60 kilomètres avaient été réalisés. Ce qu'il faut dire cependant, c'est qu'on avait rencontré en quelques endroits des programmations de travaux qui n'ont pas pu se faire parce que, eh bien, il y a eu mésentente entre riverains sur des chemins agricoles. Là, c'est dommage. Par exemple, sur le chemin des Jonques, on a des exemples. Ou quand il arrive pour faire, au milieu du chemin, on vous dit non, il ne fait plus. Alors, on avait un chemin qui devait faire de bout en bout et on y arrive avec deux impasses. C'était pas le but non plus. Parce que quelque part, même si c'est une voie ricanière, tout le monde y peut comprendre que si demain on a un accident ou quoi que ce soit, on a un circuit, même dans les rallyes, etc., ce sont des voies qui souvent sont empruntées parce qu'on y connaît que ça résiste beaucoup. Moi, vous savez, Monsieur Guézot, j'ai pas honte de dire d'où je sors. J'ai travaillé avec quelques hommes politiques, dont un qui s'appelait Christophe Payet. Et j'ai appris avec lui, justement, la structuration, l'équipement dans le domaine de la ruralité et de l'agriculture. Je pense que c'était une bonne école, parce que s'il y a eu une première commune qui a vraiment bien travaillé sur ce secteur-là, et les gens, je crois, quel que soit leur bord politique, les prêts à reconnaître, ça a été justement cette commune de la Petite Île entre les années 80, dans les années 90 et 2000, notamment. Et là, en effet, le chemin gingembre l'a dit, comme nous a eu d'autres par le passé, qui est nécessaire aujourd'hui de réaliser, comme on en aura d'autres pour la structuration. Et puis, pour être totalement complet, il ne faut pas nous pousser à aller plus vite que la musique sur le chemin Terrain-Galais, pour une raison simple. Le chemin Terrain-Galais n'y voyait pas qu'un chemin. C'est aussi une servitude qui permet le passage d'une canalisation primaire en matière de transport d'eau. Il alimente toute la Crète et les Hauts-de-l'Ouest. Et ces travaux ont été faits, mais le support, ou plutôt ce qui venait au-dessus de cette canalisation, pour pouvoir rétablir et donner un véritable chemin, l'était mal fait. Ce qui fait que nous l'a fait engager les assurances de l'entreprise, et quand il dit nous, c'est nous, Mairie de Saint-Joseph, mais c'est une compétence de la CA Sud, et en ma qualité de premier vice-président de la CA Sud, nous l'avait à l'époque donc dit que nous voulions faire un recours contre l'entreprise, et les assurances, ben les délais courent encore, mais ça touche bientôt à notre fin, ce qui nous permettra, à juste titre, donc, de pouvoir réaliser cette voie qui est longue également, mais je pense que le meilleur statut qu'on pourrait lui donner, c'est une voie bétonnée. Bon, hier soir, dans une réunion de quartier à Parc-à-Mouton, quelqu'un il demandait à nous quand ça y fait. En répondant ça, un monsieur en face, il disait « Oui, mais s'il fait ça, mais ma mère, il ne peut faire de vélo. » Donc, peut-être il faut trouver un autre terrain pour le bicross, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde y reconnaît quand même que le chemin Terrain-Galais, si demain, on aurait une structure de chaussée qui serait pérenne, tout le monde y serait gagnant. Hein? Et c'est peut-être le bon moment aussi, à ce moment-là, de rencontrer tous les agriculteurs pour voir la largeur nécessaire, notamment dans les virages, etc. Agriculteurs de canier, mais aussi de serre, vous allez devoir passer comme moi en ces endroits-là, ou arboriculteurs fruitiers, ou encore éleveurs. Donc, il y a en effet là quelques chemins structurants qui constituent aussi des voies de desserte ou de raccourci quelquefois, mais qui sont donc d'abord des voiries agricoles. Voilà. Bien, quand vous avez posé beaucoup de questions là-dessus, et que vous avez reconnu toutes et tous la nécessité, voire même l'urgence, donc je mets aux voix, et je ne doute pas que ce sera une unanimité qui se dégagera. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon. Merci beaucoup. Et donc maintenant, il faut s'affairer à mener à son terme ce projet. Voilà. Affaire numéro 5. C'est un sujet peut-être moins sexy, aurait dit quelqu'un d'autre, moins tendance.
mais qui a son utilité. Et donc, je ne sais pas si en période électorale, c'est un dossier qui parle, ou préélectoral, mais ce que je veux dire, c'est une nécessité. Hein. Nous avons une maison qui, sur Butor, est souvent saturée. Moi, je souhaiterais qu'on ait le moins de décès possible, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons. Et quand on a une commune de 40 000 habitants, ben, il n'est pas rare qu'on ait 4-5 décès en même temps. Et qu'il faut justement y veiller, sans jeu de mots. Donc là, nous allons, comme c'était prévu dans nos engagements face à la population, engager la construction d'une deuxième maison de veillée sur la commune, et ce sera sur le quartier de Vincent Daud, sur un terrain communal, qui est à l'arrière de l'église de Vincent Daud, d'accord, sur le terrain de pétanque. Je devance votre question. Je m'y vois Henri-Claude Duhette qui regarde à moi. Si nécessaire, il aurait pu répondre. Le terrain de pétanque, quoi il devient ? Il est déjà devenu, puisqu'on va construire, avant que la maison de veillée ne soit faite, un nouveau terrain de pétanque qui sera sur la cocoterie qui fait dos au terrain de football de Vincent Daud, sur le chemin Prosper-Mérimée. D'accord ? Donc on a déjà présenté une partie de la population et on devrait continuer à le faire très bientôt, puisque la rue Prosper-Mérimée sera mise aussi en enrobée très prochainement. Voilà, je propose donc pour cette présentation de laisser la parole à l'adjoint aux travaux, à savoir Axel Vienne. Peut-être pas l'élan. Alors donc, l'affaire numéro 5, comme l'a dit le maire, il s'agit de la construction de la maison de veillée de Vincent Daud. Alors la commune envisage de réaliser pour l'année 2020 la maison de veillée funéraire du quartier de Vincent Daud, située à l'arrière de l'église de Vincent Daud sur l'actuel terrain de pétanque. Cet équipement de proximité sera constitué principalement de deux salles de veillée et de divers aménagements annexes permettant l'accueil des usagers. Il s'agit, dans le cadre de cette délibération, d'approuver ce projet ainsi que son plan prévisionnel de financement qui prévoit une participation communale de 280 695,86 euros et les participations de la région et du conseil départemental pour les montants respectifs de 496 321,25 euros et 300 000 euros tout rond. L'ensemble de l'opération annonce un coût de projet évalué à 1 077 017,11 TTC. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le projet et le plan de financement concernant la construction de la maison de veillée, présentant une participation communale de 280 695,86 euros TTC, et d'autoriser le maire à solliciter les subventions afférentes et à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Merci Axel pour cette présentation normative et administrative. Nous allons aller maintenant sur la présentation technique et c'est la chargée d'opération, Madame Valérie Waro, qui va s'en charger. Valérie. Bonsoir à tous. Merci Monsieur le maire. Comme l'a dit Monsieur Vienne, effectivement, cette maison de veillée sera le deuxième équipement de cette nature sur la commune. Elle sera composée, cette maison de veillée, de deux salles d'exposition, deux salles de présentation, avec tous les équipements qui vont avec. Hein. Il y aura bien sûr des petites kitchenettes. Donc, elle pourra accueillir deux familles simultanément, avec les offices, le patio et une aire d'attente à l'extérieur. L'entrée du public se fera par le sud, donc derrière l'église de Vincent Daud, et l'entrée des pompes funèbres se fera par le chemin du club. C'est une entrée exclusivement réservée aux pompes funèbres, la partie technique. Il y aura également un accueil qui sera tenu par le SAF, le service d'aide aux familles endeuillées, à l'accueil du public. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, deux salons de présentation sur cette maison de Vincent Daud, maison de veillée de Vincent Daud. Une salle de préparation de corps. Et puis, comme ici, il y a une salle de préparation de corps et trois salles de veillée. Là-haut, il y aura deux. Ce que je dis là-dessus, bon, on a la possibilité par le chemin du club, en effet, mais il y a aussi
l'accès direct qui peut se faire en bas. Comme c'est en contrebas par rapport à ceux qui habitent justement sur la rue du club, on devrait aussi dresser un mur pour pouvoir, y mettre certaines confidentialités, je ne sais pas si c'est le terme, mais permettre à ceux qui sont en contre-haut de ne pas être directement en contact direct. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Alain Guézelot. Vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, c'est la deuxième maison de veillée qui va être construite sur la ville, sur le territoire de Saint-Joseph. Monsieur Vienne a rappelé effectivement le plan de financement. Tout à l'heure, quand j'ai lancé une petite boutade lorsqu'on disait que la période s'y prêtait, et ça vous a permis effectivement de mettre en avant un certain nombre de choses, notamment sur ce que la municipalité mène sur l'ivoirie. Donc sur ce dossier, bien entendu, nous allons le voter, puisque, comme rappelé dans le plan de financement, la région Réunion financera à hauteur de 50%. En toute transparence... C'est bien. C'est bien. Et... C'est ce qu'on a demandé, non? Oui, exactement. Exactement. Il serait bon, Monsieur le maire, je pense que pour que les choses soient aussi transparentes, mais à tous les niveaux, peut-être, c'est une proposition que je vous fais, pourquoi pas un prochain conseil municipal faire le bilan de ce qui a été financé, des opérations qui ont été réalisées sur Saint-Joseph et l'apport notamment conséquent des collectivités que sont la région et le conseil départemental. Ça permet effectivement d'éviter d'entrer ensuite dans des incompréhensions, puisqu'on le fait, ce plan de relance des deux communes a été utilisé par toutes les communes. Saint-Joseph, bien entendu, a bénéficié, me semble, et monsieur le DGS me corrigera si nécessaire, je pense de l'ordre de entre 12 et 14 millions d'euros depuis que ce plan de relance existe, avec un projet phare qui est la médiathèque. Donc, on le fait d'abord parce que effectivement, il était nécessaire au niveau régional d'accompagner les communes, et qui plus est, on le fait encore plus pour Saint-Joseph parce qu'il y a des élus qui siègent au conseil régional, notamment, et qui ont fait la part des choses et accompagnent bien entendu les communes. Et concernant Saint-Joseph, le président de la commission consultative que je suis à la région, bien entendu, valide ces projets. Donc je tenais à le dire ce soir. Bien, M. Guézelot. Votre demande, vous dites prochain. Mais le bilan de l'action du Conseil régional, c'est en 2020-2021. Bon. Je me ferai un plaisir, effectivement, au prochain conseil municipal, de vous demander l'autorisation de donner un certain nombre d'éléments et d'expliquer, effectivement, qu'on a travaillé ensemble sur ces projets. Voilà. Et pour la prochaine vague, il serait bien, monsieur le DGS me le soufflait, mais il a tout à fait raison, puisqu'on en parlait, que vous soyez plusieurs, y compris monsieur Vienne, à plaider pour qu'il y ait la prise en compte enfin des travaux en régie. Parce que ça nous aiderait. On a une bonne entreprise municipale. Vous voyez, par exemple, sur l'enrobé, si on pouvait être aidé des fois, on pourrait aller beaucoup plus vite. C'est... Voilà. Non, mais je pense que... Moi, j'ai vu, pour rien vous cacher, c'était avant que je ne sois candidat au régional, j'étais allé voir à Sillaos. Bon, j'ai un ami qui s'était présenté contre le maire de Sillaos, là-haut, mais je trouve que c'est une commune qui, en matière d'entreprise municipale, travaille bien. Alors, j'ai pas cherché de quel bord le maire était. J'ai vu que c'était un rural. Bon, donc, on a été voir, et sur ce plan, j'ai vu des choses qui sont bien. Après, quand je dis régie, il y a des régies qui sont aussi de la région, la DAR, etc., qui mène des travaux, ou bien du département. Mais c'est justement parce que à l'avenir, on peut avoir des sujets... Forcément, les entreprises connaissent mieux un certain nombre de cœurs de métier, mais il arrive que, par des habitudes, une commune y connaît bien aussi comment gérer certains domaines, quoi. Et je viens d'en citer un qui peut être là-dessus. Très bien. Y a-t-il d'autres demandes de... D'autres remarques ou d'autres demandes particulières, non? Oui. Ma proposition. Oui. C'est-à-dire, si vous me permettez, au prochain conseil municipal, enfin, je vous laisserai... Je vous ai dit à un prochain, donc ça peut être... Comme ça... Non, mais très sincèrement, je pense qu'il est important, parce que la période qui va arriver va être aussi peut-être pas délicate, mais il y aura des questions qui... vont se poser légitimement ou illégitimement, mais il est important aussi de
de rappeler que on peut être dans une opposition et lorsqu'on est dans une majorité telle que la région, bien entendu, il faut aussi faire en sorte que sa commune, la commune où je suis né, où je siège en tant que conseiller d'opposition, mérite aussi une attention particulière. Donc on le fait comme on le fait lorsqu'il y a des dossiers qui passent à la CASUD. Il n'y a pas d'opposition systématique puisque on est arrivé à un constat aujourd'hui, monsieur le maire, chers collègues, c'est que bien sûr, il y aura sûrement à un moment donné peut-être confrontation. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est de regarder effectivement ce qui a été fait, ce qui a été accompagné et ce qui aurait été peut-être mieux fait. Donc, à un moment donné, il faudra poser un certain nombre de choses. Mais en tout cas, si l'occasion m'est donnée à un prochain conseil municipal, je ferai effectivement référence à ce qu'on a fait ensemble pour Saint-Joseph. Le conseiller général, conseiller départemental qui est à mes côtés me disait que ça peut être une bonne occasion de montrer à la fois les apports en effet de la région mais aussi du département sur le PST qui a été mis en place, etc. sur un temps. Moi, ça ne me gêne pas en particulier. Si ça pouvait donner de l'élan pour que ça aille plus vite sur d'autres dossiers. Mais je ne sais pas si c'est le prochain conseil ou autre, mais ça peut donner lieu en effet. Mais bon, vous avez en général les réunions de la région prévues pour ça. Mais enfin, si vous voulez que ce soit sur Saint-Joseph, c'est pas gênant pour moi en particulier. Hein, c'est... Voilà. Oui, Axel Vienne. Éventuellement, si au prochain conseil, il y a une possibilité de caler ces chiffres-là de la région et du département et voir. Peut-être on pourrait mettre une petite case aussi pour dire ce qui n'a pas été fait. Ah, mais il n'y a aucun souci. Et je pense, moi, à la maison de veillée funéraire, la première, où on n'a eu aucun financement, ni département, ni région. Pas de souci. Alors, moi, je souscris sous réserve que la législation en période préélectorale ne nous pose pas problème. Après, ça ne me gêne pas. On peut regarder s'il n'y a pas de souci. Là-dessus, parce que là, on est bien d'accord qu'on inscrit ça dans un cadre de pré-municipal. Mais bon, après, moi, c'est des actions réalisées, si on... Voilà. On a ces grands garçons pour les grandes filles. On a la parité, quand même, pour voir ça. OK. On n'a pas voté, là. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire numéro 6. Bon, je ne sais pas si c'est le... Il glace quand il parle comme ça, hein, il procède à l'expropriation. Vous savez, il est là, mon dossier. Il est là. Donc, procédure d'expropriation d'urgence à mettre en œuvre pour la protection des personnes sur le secteur de la passerelle, chemin Bancoul. Il nous faut approuver le dossier de déclaration d'utilité publique urgente et du dossier parcellaire en application de l'article idoine du Code de l'environnement. Je propose que ce soit M. le DGS qui nous fasse la présentation, puisqu'on est habitué sur ce dossier. Oui, c'est pour vous. Oui, en fait, il s'agit de... On est dans la continuité de ce qui vous a été présenté en juin lors d'un précédent conseil. Donc, la procédure a eu quelques avancées. Donc, comme vous le savez, depuis les éboulis de 2014, donc, la procédure d'expropriation pour l'acquisition des biens donc, exposés au risque naturel était mise en œuvre. Donc, cette procédure mobilise des fonds Varnier afin d'offrir donc, la possibilité aux familles concernées de se de réinstaller dans des conditions économiques satisfaisantes en dehors de ces zones à risque et d'assurer la mise en sécurité et la neutralisation durable des sites libérés de toute occupation humaine. Donc à ce jour, nous avons la SPL qui a été, SPL Marina qui a été, donc, qui nous assiste dans la mise en œuvre de cette procédure de déclaration d'utilité publique. Donc il faut savoir, comme je vous le disais, qu'en juin, donc à la demande de l'État, le Conseil municipal a approuvé le dossier de DUP et l'enquête parcellaire actualisée, donc, et solliciter le préfet pour l'ouverture d'une enquête publique. Donc, c'est chose faite. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qui vous est proposé, c'est que, donc, en application de l'article R561-3 du Code de l'environnement, donc, la commune est appelée à émettre son avis sur le dossier et à le transmettre dans un délai de 2 mois. Donc, l'enquête, il faut savoir qu'elle commencera donc le 25 septembre jusqu'au 9 octobre 2019 inclus. Les permanences auront lieu donc en mairie centrale. Cette enquête donc sera assurée par le commissaire enquêteur, donc Monsieur Philippe Garcia, qui a donc depuis été désigné par le tribunal administratif. Donc,
Forcément, donc consciente des enjeux de protection des vies humaines, la commune réaffirme sa volonté de poursuivre sans délai cette procédure qui permettra l'indemnisation des familles grâce au fonds Barnier, donc avec l'acquisition par la collectivité des biens expropriés. Et nous sommes sur les mêmes éléments de calendrier qui vous avaient été donc fournis initialement, avec, on espère, une clôture du dossier au second semestre 2020. En sachant qu'aujourd'hui, on en prend le chemin, vu que l'État a bien activé la procédure donc d'urgence. Et on tient le planning qui était affiché, en tout cas, il y a quelques mois déjà. Voilà. Pas de questions là-dessus. Bien. Il y a eu, à certains moments, donc, j'allais employer un terme qui aurait été un peu méchant. Sur un média, enfin, c'est un. Mais gentil, moi, quand on m'appelle ça comme ça. Enfin, sur un des réseaux sociaux, où on a fait baver un certain nombre d'envoyés et de payés pour dire qu'on avait pris du temps, et beaucoup trop de temps. Ben, ça qui prend pas trop de temps, c'est en général ceux qui foutent rien. Hein. C'est bien connu, hein. Les ingénieurs de travaux finis, en général, ils sont très bons, hein, mais les travaux, ils commencent jamais. Donc, ils donnent des leçons, de ci, de là. Il y a un cas de comparaison. Il y a eu le 27 mars 1998, c'est-à-dire il y a 21 ans de cela, un éboulis qui avait coûté la vie à une personne à Langevin. D'accord ? Et donc, à l'époque, c'était 3 maisons qui étaient concernées. Donc, il y avait eu une expropriation d'environ 10 personnes. Ce qui s'est produit le 9 novembre 2014 concerne 16 parcelles bâties, 15 maisons d'habitation et un local EDF sur 5 800 m², 11 parcelles non bâties sur 8 600 m² et une école, 36 élèves et un plateau sportif. Environ 45 personnes résidentes ont été évacuées, sans compter les propriétaires des terrains nus qui se trouvaient à l'arrière. Quand je fais le bilan global, si tout se passe bien aujourd'hui, on devrait, au quatrième trimestre 2020, provisionner les indemnisations suite aux acquisitions de terrains par la commune. À l'époque, c'était une procédure État. Eh bien, pour la famille audite, ça a commencé donc à partir de 98, d'accord, après la fin mars, et l'acquisition via notée à indemnisation réalisée à l'acquisition de terrain par l'État était faite au début 2006, c'est-à-dire 8 ans. OK. Nous, si ça s'exécute en 2020, quatrième trimestre, on aura pris 5 ans et demi, 6 ans. Voilà. Les actes et les baveurs. Voilà. Le chien aboie, la caravane passe. Je crois que tout est dit. Voilà. Monsieur Guézelot. Sur ce dossier, monsieur le maire, même si vous avez fait référence effectivement à des gens qui salissent ou qui bavent, en tout cas, nous, pour ce qui concerne notre groupe, on a été, et comme j'avais dit, lorsque le premier dossier a été effectivement posé et inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal suite à ce phénomène, entre guillemets, dangereux, on a toujours effectivement validé et voté les différents rapports qui ont été présentés au conseil municipal parce qu'on l'avait dit. Je reconnais. C'est d'abord de sécuriser les personnes et ensuite de mettre en place ces procédures. Donc il y a ceux, effectivement, peut-être qui critiquent. Peut-être que certains auraient souhaité que l'opposition en fasse une affaire politique. Mais on n'est pas tombé dans le panneau là-dessus. Parce qu'il ne s'agit pas, et je le dis, il ne s'agit pas pour nous, à chaque fois qu'il y a peut-être que certains pensent à un os à ronger, il faut courir dessus. Parce que sur ce dossier-là, il faut être très sérieux. Et on l'a été, et on a été à vos côtés, bien entendu. On a voté les différents rapports qui ont été mis à l'ordre du jour.
Je ne vous visais pas, mais je visais un article, donc, enfin, si je peux appeler ça un article, un torchon, qui avait attiré donc des baveurs et baveuses dessus. Et je disais, bon, en termes de chiffres, je voulais quand même dire aussi que sur l'autre procédure, on était à peu près sur 100 000 euros, et aujourd'hui, on est sur... sur 2 800 000 euros, d'accord ? Ce qui n'est pas mince. Où il y a un portage préalable par la commune et après, donc, l'État. C'est bon ? Bien. Je crois que tout le monde voit l'intérêt là-dessus. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, affaire suivante. C'est toujours Joël Loireau, donc acquisition foncière de la parcelle BM76, partie par l'EPFR. Nous sommes sur le secteur de Butor Greg. C'est la piscine, non ? Oui, tout à fait, oui. Pour une RPA, c'est ça ? Oui. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d'aménagement en matière d'habitat social sur son territoire, donc, la commune souhaite accompagner la CEMAC en vue de réaliser une opération de logement aidé de type RPA, donc résidence pour personnes âgées, dans le quartier des Grecs, sur une portion de terrain issue de la parcelle BM76. Vous avez donc la photo. Donc pour ce faire, l'établissement public foncier de la Réunion a été sollicité pour assurer le portage financier donc relatif à cette acquisition. Cela par le biais d'une convention donc opérationnelle d'acquisition quadripartite à intervenir entre la commune, la CEMAC, la CAS Sud et le PFR. Il est rappelé sur ce dossier que la CAS Sud intervient au titre de cette convention dans le cadre de sa participation en minoration foncière, donc qui pourrait être de l'ordre de 50 000 euros sur cette opération. Donc, il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver l'acquisition par le PFR de la parcelle cadastrée BM76 en partie, d'une superficie à détacher de l'ordre de 3 000 m² au prix de revient de 538 625 euros et 75 centimes TTC. Selon les modalités définies dans la convention d'acquisition foncière numéro 12-1901. Je vous prie de bien vouloir délibérer. Question ? Question d'ordre d'écriture. Dans la ce que nous avons lu dans la délibération, juste une petite correction, c'est BM76 et le petit P, je pense qu'il est en trop. C'est pour partie, je pense. Ça, en partie. Pour partie, oui. OK. Donc c'est. Mais on le met quand même ? Pardon ? On met BM76P ? A priori, oui. Enfin, OK. Ben, si c'est. C'est pas la totalité, donc du coup. OK. Et bon, sous réserve de cette vérification, hein, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Bien. Affaire suivante. Il s'agit du réaménagement de prêt. Faire 8, garantie communale pour un emprunt de la Sodegis auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Je vais passer la parole à Harry Mussard. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à vous tous. Chers collègues, mesdames, messieurs. Alors, sur l'affaire numéro 8, le réaménagement des prêts, la Sodegis, en partenariat avec la Caisse des dépôts et de consignations, la CDC, a obtenu un plan de réaménagement de sa dette qui a été validé par son conseil d'administration le 21 mai 2019. Cette action fait désormais partie d'un ensemble de mesures qui vont être proposées à l'ensemble des bailleurs au niveau national afin de permettre de maintenir leur volume de construction et de réhabilitation du patrimoine face aux changements législatifs impactant le régime des allocations, logements et de la TVA. Cette offre élaborée sur mesure comprend un ensemble de dispositifs qui modifient les caractéristiques des prêts initiaux accordés à la Sodegis dans le cadre de la construction de son patrimoine. Les contrats de prêt faisant ainsi l'objet d'avenants, il est nécessaire de procéder au renouvellement des garanties précédemment accordées par la commune de Saint-Joseph. Les garanties relatives à ces contrats de prêt ayant déjà été accordées, leur renouvellement n'a aucun impact supplémentaire sur le montant de l'engagement déjà pris par la commune de Saint-Joseph. Il est donc demandé au conseil municipal de statuer sur cette affaire. Alors, pour information,
c'était quand même les opérations que les concernaient, la cure, les 100 marches, chemin Galet, Bougainvilliers, les remports, la Caussade, Cœur de Village, usine à vétiver, la Caussade 2, Choca Bleu, chemin Galet 2, Cœur de Village, la deuxième partie, Casala, les quais, la cure, Cressonnière 1 et Cressonnière 2, Sentier de la Vierge, Brapanon, usine à vétiver, les lianes et les ombrières. Et sur cette, pour information, il ne concerne pas la réhabilitation, mais sur ces logements, il y a une autre procédure qui aura, bon, il y a déjà quelques semaines ou quelques mois de cela, elle est passée déjà en garantie d'emprunt au niveau du conseil municipal. Sur la réhabilitation des logements, il y aura la cure, il y aura les 100 marches, il y aura chemin Galet, il y aura Bougainvilliers, il y aura les remports, il y aura la Caussade, il y aura Vétiver et Cœur de Village, la Caussade, Choca Bleu. Bon, certains ont déjà été faits, d'autres, ça sera dans la programmation de 2019 à 2020-21. C'est l'ensemble des logements qui sera réhabilité. Mais elle a bien besoin, hein, parce que les gens nous en font la demande depuis de très nombreuses années. Ça ne concerne pas que Saint-Joseph, mais l'ensemble du parc de la Sodégis sur les constructions des années 90. C'est un plan important, hein, qui va permettre justement de remettre, je dirais, à flot le parc de logements de la société. Vous savez que je suis président de cette société également, et dans les journaux, il avait apparu à un certain moment que la Sodégis était en mauvaise santé, etc. Et j'ai cru entendre que même dans une autre SEM qui s'est fait phagocyter par une grosse société nationale, certains avaient essayé de faire des rapprochements ou des similitudes. La Sodégis n'est pas la SEMADER. L'état de santé de la première n'a rien à voir avec la deuxième. Maintenant, j'avais dit à un certain moment qu'on n'était pas à vendre. C'est le point de vue aussi du président de la CA Sud, qui est donc l'actionnaire principal. C'est vrai qu'il y a de grandes manœuvres qui s'opèrent actuellement avec un organisme qui s'appelle CDC Habitat, qui a déjà mis la main sur l'ancien parc du groupe Apavou, qui a mis la main sur la SIDR, qui s'apprêterait à mettre la main sur la Sodiac et qui le fait visiblement sur la SEMADER, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, en tout cas, de la Sodégis et de la SEMA, qui restent donc, je dirais, les deux opérateurs indépendants, sachant que la CEDRE aurait donc un lien établi aujourd'hui avec Action Logement, c'est-à-dire la SHLMR. Alors, si nous, on parle en ces termes, si je dis ça, c'est parce que tout simplement, comme c'est passé en conseil d'administration il y a peu, et bientôt en assemblée générale, on a un plan de retour à l'équilibre. La Sodégis a signé un plan de retour à l'équilibre avec la CG2LS, la Caisse de garantie des logements locatifs sociaux. D'accord ? Et le plan de réaménagement de la dette, tout ça, il rentre dedans. Donc, vous savez qu'il y a eu donc des efforts conséquents qui ont été demandés au personnel. Personnel qui avait droit à un 14e mois, etc. Et donc, cela a été revu. Et les efforts ont été demandés à tout le monde. Donc, certains, merci. Certains ont parlé sur cela. Moi, je veux juste vous dire que si on suit le plan actuel... Bonne soirée. Merci, messieurs. Si on suit le plan actuel... On peut tout simplement se dire que le plan de retour à l'équilibre qui était prévu pour 2027-2028 pourrait être atteint au niveau de la Sodégis en 2021. Donc, je pense que ça permet en tout cas de remettre les choses à leur place. Et c'est vrai que si un rapport qui a été retranscrit dans le journal, mais 11 mois après que ce soit sorti, donc... n'était plus tout à fait le même film, quoi. Hein. Donc, il y a des choses qui étaient passées entre-temps et un certain nombre de points.
Donc voilà, je voulais quand même dire cela. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de choses, ça nous a mis aussi dans les dispositions de pouvoir renégocier, notamment avec la Caisse des dépôts et consignations, donc les prêts, etc. Et aussi, Harry l'a dit, sur notre plan de réhabilitation. Voilà. Précision. Questions sur ce dossier ? Non ? Plus d'autres questions ? M'y met aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Affaire numéro 9, travaux de rénovation des installations d'éclairage public. Transfert de compétences au profit du Sidelec Réunion. Axel Vienne. Alors donc, affaire numéro 9, il s'agit bien des travaux de rénovation d'installations électriques publiques. Transfert de compétences. Le Sidelec sollicite la commune afin de réaliser des travaux de rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble du territoire communal. Cette action intervient dans le cadre du programme local de maîtrise de la demande énergétique. Pour l'essentiel, ces travaux concernent la rénovation de 75% du parc éclairage public de la commune et envisagent notamment le remplacement de 2297 ampoules SHP par des luminaires LED. Les premières estimations annoncent une baisse de la consommation électrique de l'éclairage public par un facteur 2 minimum. L'incidence environnementale du projet est donc particulièrement favorable pour la collectivité. Pour ce faire, il est nécessaire que la compétence éclairage public soit provisoirement transférée au Sidelec pendant la durée de l'opération. Il est entendu que la commune garde pleinement la main sur la propriété, la gestion, la maintenance et l'entretien des ouvrages réalisés. Enfin, cette opération fait l'objet également d'un plan de financement défini comme suit. Aide, participation EDF 918 800 euros, FEDER 1 257 600 euros, participation du Sidelec 567 068 euros, et enfin la participation communale est de 271 332 euros. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver le transfert de la compétence des travaux de rénovation des installations d'éclairage public au profit du Sidelec, d'approuver la participation communale fixée à 9% du coût total de l'opération, soit 271 332 euros, et enfin d'autoriser le maire à signer tout document aux pièces se rapportant à cette affaire. Question ? Monsieur Guizelot. Peut-être pas une question, mais un complément d'information par rapport à la présentation de mon collègue Axel Vienne. Le Sidelec a lancé une étude pour 13 communes dont fait partie Saint-Joseph. Et on sera mené notamment à travailler ensemble puisque le Sidelec nous a confié en tant qu'actionnaire effectivement ses études et l'accompagnement des 13 communes. Donc là aussi, nous allons travailler en bonne intelligence. Et vous rappelez aussi que si aujourd'hui ces financements sont mobilisables, c'est l'année dernière, on a fait le choix de reconsidérer certaines fiches FEDER, notamment sur l'éclairage public et sur la mobilité électrique. Donc ce qui permet effectivement aux communes de mettre effectivement aux normes leur éclairage public et surtout de le ramener un peu à la mode développement durable et écologique et énergétique. Donc, bien entendu, nous allons voter ce rapport à vos côtés. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Affaire numéro 10, convention entre la CASSUD et la commune relative au fonctionnement du service de la CASSUD en charge des travaux en régie d'adduction d'eau potable et d'assainissement des eaux usées. Il s'agit d'une mise à disposition temporaire de fournitures et réalisation de prestations par la commune de Saint-Joseph. En fait, nous avons fait le choix de créer une régie en matière d'assainissement et d'eau potable, une régie qui aura 5 personnes de Saint-Joseph et qui va donc opérer un certain nombre de travaux pour faciliter, je dirais, les branchements par rapport à la population. Guido Folio. Bonsoir à toutes et à tous.
Effectivement, donc la CASE qui a la compétence eau et assainissement donc depuis le 1er janvier 2010 a donc décidé de relancer la régie des travaux qui existaient déjà sur le territoire de Saint-Jean. Donc pour ce faire, donc elle a recruté un certain nombre d'agents. La restructuration de la régie est en cours et la CA Sud nous a sollicité à titre transitoire pour permettre de faciliter donc l'approvisionnement en fourniture de cette régie et ainsi que permettre la réalisation de prestations relatives à la réfection de chaussées. Donc c'est une convention qui est limitée dans le temps, limitée aussi en termes de montant. Et ce qui est proposé ce soir donc, au Conseil municipal, c'est d'approuver cette convention entre la CASUD et la commune pour faciliter donc, la mise en œuvre de ce nouveau service de la CASUD. La CASUD va rembourser à la commune les dépenses qui seront engagées et ensuite donc d'autoriser le maire à signer la convention y afférente. OK. Pas de questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Affaire numéro 11 et 12 va traiter de même chose. C'est Axel Vienne. Rapidement, Axel. Travaux d'aménagement de la rue Henri Payette, approbation de convention de travaux sur fonds privés. 11 donc. Il s'agit donc des travaux d'aménagement de la rue Henri Payette qui va du centre-ville, la rue nationale, Bana, jusqu'à l'Odéon, l'ancien cinéma. Afin de disposer d'une largeur de chaussée suffisante pour la mise à double sens de circulation de la rue Henri Payette, la commune a sollicité certains propriétaires riverains pour la mise à disposition de fonciers privés permettant la réalisation des travaux. Les différents propriétaires ayant répondu favorablement aux demandes de la mairie, il convient de conventionner cette mise à disposition foncière. La présente délibération concerne donc l'approbation des conventions entre la mairie et les différents propriétaires, dont Mme Marie-Lucie Voireau-Gondin, Mme Véronica Rubio-Raposo, M. Louis-Christian Damour et la SCI Trévin ou Trévan, comme vous voulez. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver les conventions relatives aux travaux sur fonds privés à intervenir entre la commune et les propriétaires des parcelles concernées et d'autoriser le maire à signer toute pièce ou document se rapportant à cette affaire. Même démarche pour l'affaire numéro 12, mais cette fois avec des propriétaires forcément différents, M. Jean-Max Fontaine et M. et Mme Georges-Louis Payette. C'est bon ? Oui. Donc, affaire 12, dans le cadre des travaux d'extension du chemin des Alouettes, c'est bon, ça ? Il convient de réaliser une voie bétonnée de 40 mètres de longueur avec la création d'une aire de retournement. Pour formaliser cet accord et permettre l'intervention de l'entreprise mandatée par la collectivité pour réaliser les travaux, des conventions doivent être établies entre la commune et les propriétaires concernés par les travaux. Dans le cas présent, il s'agit d'établir des conventions entre la commune et les propriétaires des parcelles impactées, en partie par les travaux d'extension du chemin des Alouettes dans le secteur des Lianes. Il s'agit donc de M. Jean-Max Fontaine et de M. et Mme Georges-Louis Payette. Mais son adresse n'est pas bonne, là. Il y a une coquille. Hein. Il y a un copier-coller avec Rubio, Raposo, Véronica dans le dossier précédent. Hein. Puisque ça doit être sur le chemin des Alouettes même. Hein. Sûrement. Okay. Il est donc demandé donc au Conseil municipal d'approuver les conventions relatives aux travaux sur fonds privés intervenant entre la commune et les propriétaires des parcelles concernées, d'autoriser le maire à signer les dites conventions ainsi que tout document en pièces se rapportant à cette affaire. Avez-vous des questions sur ces dossiers ? Et après, on va mettre aux voix un par un. Pas de questions ? Bon. Alors, sur la rue Henri Payette, vous avez compris qu'il y avait deux parties, la partie basse et la partie haute. La partie haute, il a fallu souffler un peu dans les bronches, mais c'est reparti, ou c'est parti plus belle, je dirais, aujourd'hui. Le défi, c'est quand même de le mettre à double sens. Hein, et là-dessus, moi, je voulais très franchement remercier donc les propriétaires pour le faire. Concernant le chemin des Alouettes, ce sera là en plus. Ça n'a pas été facile de faire avec tout le monde, mais l'espoir, les grandes, c'est joie, Guy, que nous puissions peut-être faire une boucle pour rejoindre l'autre chemin, Paul Lefebvre, de l'autre côté. Il touche Paul Lefebvre. Ouais. Ouais. OK. Je mets aux voix sur l'affaire numéro 11. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Sur l'affaire numéro 12, contre, abstention. Merci.
Affaire numéro 13, avis du Conseil municipal sur la demande d'autorisation au titre des installations classées présentée par M. Jean-Bernard Mallet pour son exploitation d'élevage porcin située au Jacques, parcelle CE 1363. Je crois qu'on a une demande aussi pour son frère sur la CE 1362. Qui nous fait la présentation rapide, ça, Mohamed Jaffar ? C'est un beau dossier, ça, Mohamed. Absolument. Quand on parle d'agriculture, ça, c'est toujours un très beau dossier. Bien, chers collègues, bonsoir. Alors effectivement, donc l'affaire 13 et l'affaire 14 se recoupent. Donc le préfet demande au conseil municipal d'émettre un avis sur la demande d'autorisation présentée par Monsieur Mallet Jean-Bernard d'exploiter un élevage porcin, donc au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Alors l'exploitation se décompose comme suit. Donc un élevage de 45 truies et une exploitation agricole de 4,5 hectares. Donc actuellement, l'élevage est implanté dans les Jacques et de façon plus détaillée. Donc il prévoit l'amélioration des conditions de vie des animaux et des conditions de travail, ainsi que l'extension de 491,66 m² du bâtiment d'élevage qui permettra la mise en place des normes bien-être. Donc par ailleurs, on vous précise qu'une étude d'un plan d'épandage a été initiée et ne relève pas de prescription. Enfin, il convient de noter que le projet ne générera pas d'augmentation d'effectifs de l'élevage porcin. Donc par conséquent, le conseil municipal, chers collègues, dont vous êtes invités, a donné votre avis sur cette demande, sachant que seuls les avis exprimés au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête, arrêté au 21 septembre, seront pris en compte. Voilà, donc je vous demande de délibérer sur cette affaire 13. Tu as toujours fait ça. L'affaire 13 et l'affaire 14, c'est la même chose. Absolument. Pour un propriétaire différent. Un propriétaire différent, puisque l'affaire 14 concerne Philippe Mallet et le changement, on va dire, c'est surtout au niveau de l'extension, puisque là, c'est sur une extension de 557 mètres carrés, donc de bâtiments d'élevage. Voilà. Monsieur Harry Mallet n'a pas donné de procuration. Non, c'est le. Là, c'est le papa de Florent Mallet, donc oui, c'est frère de M. Harry Mallet, c'est deux éleveurs et agriculteurs de la commune reconnus pour pour notre travail. Donc je vous invite, bien évidemment, mes collègues, à voter favorablement ces deux dossiers s'il n'y a pas de questions. Allez, je mets aux voix l'affaire numéro 13, pas d'opposition, pas d'abstention pour M. Jean-Bernard Mallet. Et l'affaire numéro 14 pour M. Philippe Mallet, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci, mes collègues. Il y a un dossier où tu redescends presque sur le littoral, Mohamed Jaffar, affaire 15, FISAC, tranche 2. Effectivement, donc on continue et on poursuit donc la rénovation des unités marchandes dans le cœur de ville. Et cette fois, donc, c'est un dossier qui a été déposé donc par M. Daled Abdullah, donc qui porte l'enseigne Daled Store. Alors, il faut savoir qu'après examen du dossier donc par le comité de pilotage donc constitué de la DIECT, de la région, de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de l'association des commerçants et bien sûr de la ville de Saint-Joseph, eh bien un avis favorable donc a été donné pour l'attribution d'une subvention donc de l'investissement mais aussi donc pour le fonctionnement. Voilà, donc il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le montant de la subvention attribuée à cette enseigne, donc 40 000 € pour l'investissement et 1 440 € pour le fonctionnement, donc d'approuver bien sûr la participation de la commune à hauteur de 30%, soit un montant de 15 000 € pour l'investissement et de 540 € pour le fonctionnement, d'approuver le reversement de la participation de l'État et de la région, soit 12 500 € pour l'investissement et 450 € pour le fonctionnement chacun, et enfin d'autoriser le maire à signer l'arrêté de subvention y afférent, ainsi que tout document ou caisse se rapportant à cette affaire. Question ? Oui, monsieur Rivière. C'est juste par rapport au montant pour les conseils architecturaux, parce qu'on parle de plafond à 1800 et on est à 1843. Donc, est-ce qu'il y a une tolérance? Parce que, ouais, parce que dans le document qu'on a, c'est effectivement un plafond donc maximum à 1800. Et là, on voit que dans le tableau, le détail fait 1843. Donc, ce serait dommage. C'est 1800 le plafond qui est pris en charge pour le calcul, donc c'est comme pour les travaux à 50 000. Donc y a pas c'est le plafonnement. Okay. Voilà, c'est le plafonnement. Les dépenses éligibles sont plafonnées à ce montant-là, en fait. Quoi. Bien. D'autres questions? Je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien vu que Mme Laura Warhol était là pour parer à toute
l'éventualité. Merci, Laura. Affaire numéro 16, mise en concurrence des autorisations d'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique. DG Trott, effectivement, donc une belle affaire, puisque tout à l'heure, donc, on parlait d'écologie, de développement durable. Donc, on a une société saint-joséphoise, donc, du nom de DG Trott, qui s'est lancée là-dedans. Donc, cette société nous propose la mise à disposition, donc, de trottinettes électriques. Donc, deux stations sont prévues. Une première station, donc, qui se situerait entre l'église de Saint-Joseph et la place de la mairie, donc c'est encore à voir, et une autre station au niveau du Butor. Voilà, donc les trottinettes y seront garées, avec bien sûr un tarif attractif, et le tout débloqué donc par le mobile. Et il s'avère que concernant l'utilisation privative du domaine public, l'ordonnance du 19 avril relative à la propriété des personnes publiques est venue modifier les dispositions du Code général de la propriété. Et donc ces nouvelles obligations qui pèsent sur les personnes publiques depuis le 1er juillet, donc découlant du droit européen, donc s'appliquent aux autorisations d'occupation de leur domaine public délivré en vue d'une exploitation économique. Les autorités domaniales déterminent librement la procédure à mettre en œuvre tout en ayant une obligation de résultat sur l'impartialité, la transparence et la publicité. Donc, par conséquent, suite à la sollicitation de cette société, il est proposé de mettre en œuvre la procédure suivante. Publication d'un appel à manifestation d'intérêt par voie de presse, délai de consultation 15 jours. En cas de non-réception d'autres propositions, signature de l'autorisation d'occupation du domaine public avec la société DG Trott. Et en cas de réception de candidatures concurrentes, mise en œuvre d'une phase de sélection au terme de laquelle la meilleure candidature sera retenue. Par ailleurs, il est proposé de fixer le tarif de la redevance d'occupation du domaine public à 20 euros. Et il est donc, chers collègues, il vous est donc demandé d'approuver la procédure d'appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de la mise en œuvre des stations de trottinettes électriques sur le territoire, d'approuver le tarif de la redevance d'occupation du domaine public, donc à 20 euros, et enfin d'autoriser le maire à signer tout document et acte relatif à la mise en œuvre de cette procédure, notamment les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, ainsi que tout document s'y afférent. Bien. Sur ce bel élan, ça inspire qui pour poser les questions? Non, DG Trott, c'est bon? Oui? Non, pour l'instant, il n'y a que deux stations. Alors, il faut rappeler que cette société donc nouvellement créée, ce sont donc des Saint-Josephois qui sont à la tête de cette société-là. Et pour eux, ils se sont dit, allons nous lancer dans une expérimentation. Donc, bien sûr, l'objectif, c'est de les accompagner. Donc, ils vont commencer effectivement par mettre en place deux stations. Et après, donc petit à petit, en fonction de la demande, ah ben tout est possible. Simon. Ben, après, c'est peut-être de les ramener directement vers le cœur de ville. Ah oui. Déjà. Pour monter la rue d'église. Voilà. Non, mais ça se fait dans des villes modernes et c'est bien sûr. Monsieur Guesdo, vous voulez poser une question là-dessus? Faisait référence effectivement au développement durable. Peut-être serait utile à l'avenir que ces deux stations, les recharges, se fassent non pas sur le secteur, sur du courant fossile, mais peut-être sur des recharges photovoltaïques avec des ombrières, parce qu'il y a aussi des financements dans ce sens. Bon, ben on se rapprochera bien sûr de la société pour effectivement les apporter, les accompagner dans ce projet qui est encore une fois très beau et on espère voir sa réussite sur Saint-Joseph. Allez, on va trotter dans un premier temps. C'est bon, après le galop. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci, mes chers collègues. Il faut encourager ce genre d'initiative et c'est tant mieux quand c'est des Saint-Josephois. Alors, affaire numéro 17, et c'est, je crois, Henri-Claude Huet qui va très vite nous synthétiser ce dossier. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. L'affaire 10, numéro 17, concerne la mise à disposition de terrain au centre communal d'action sociale. On pourrait parler, concernant cette affaire, de reconduction, puisqu'en juillet 2013, la commune avait conclu un contrat de mise à disposition gracieuse au profit du CCS. Ce sont des terrains qui sont situés dans la ZAC des Grègues. Elles sont cadastrées BK 10, 78 et BK 11, 19.
pour une superficie totale de 1032 mètres carrés. Ce contrat a pris fin le 22 juillet dernier. Il convient donc pour la pérennité et la bonne exécution des services du Centre communal d'action sociale de le reconduire. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la mise à disposition gracieuse pour une durée de 6 ans à compter du 23/07/2019 du foncier communal cadastré BK 1078 et 1119, 6 à la Jacques des Grègues, au profit du CCAS. Et d'autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition afférente, ainsi que tout document en pièce se rapportant à cette affaire. Question. Pas de questions. Vous êtes d'accord, mais on voit qui est contre, qui s'abstient. Merci. Affaire numéro 18. On revient à Mohamed Jaffar. Eh bien, on va parler maintenant. C'est ma commune. Voilà, on va parler maintenant donc stationnement. Parking en sous-sol. Pardon ? De parking en sous-sol. Parking en sous-sol, exactement. Donc à l'abri du soleil, entre autres, et en toute sécurité. Voilà, la CEMA qui est copropriétaire des lots de parking, comme vous le savez, ils sont situés donc aux 4 rues Paul de Mange, donc à résidence gare routière. Des parkings destinés à usage de stationnement et mis à disposition des locataires de la résidence. Or, dans le cadre du projet de résidentialisation de la résidence gare routière, la CEMA et la commune ont convenu que l'ensemble des parkings en sous-sol du bâtiment B, soit un total de 63 places, soient mises à disposition de la commune pour l'usage des agents communaux et du CCAS. L'ensemble des parkings aériens du bâtiment B et des parkings en sous-sol du bâtiment A, ainsi que l'espace vert côté Ravine Jean Petit, seraient récupérés par la CEMAC pour l'usage exclusif des locataires de la résidence. Pour information, la mise en place des portails et de portillons permettra de sécuriser la résidence et de contrôler les flux. Il est entendu que cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. Cette répartition des parkings et les conditions d'utilisation seront formalisées par le biais d'une convention de la mise à disposition des parkings et de l'espace vert au sein de la résidence gare routière entre la CEMAC et la commune. La durée de la convention est de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction. Il est donc demandé au Conseil donc, d'approuver la convention de mise à disposition des parkings et de l'espace vert et d'autoriser, bien sûr, le maire à signer la dite convention de mise à disposition ainsi que tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Voilà, comme vous le savez, s'il fallait en rajouter un mot, le stationnement est une priorité, entre autres, pour nos commerçants. Et donc, il est important qu'on aboutisse très vite à ce projet pour que les voitures ventouses du cœur de ville aillent se ventouser en sous-sol, à l'abri du soleil et en toute sécurité. Comme c'est une première expérience, peut-être que si on a d'autres constructions à l'avenir, ça peut donner en effet des orientations. Y a-t-il des questions ? Bon, c'est aussi un réaménagement, je dirais, avec la CEMAC, donc je pense que c'est heureux que ça puisse se faire. Si c'est pour avoir des parkings en sous-sol qui sont inutilisés, il vaut mieux qu'on... Mais il y a un argument sécurité qu'il faut amener et qu'on a mis dans la balance. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci Mohamed, merci Laura pour le suivi de ces dossiers. Affaire numéro 19, approbation de la convention du contrat enfance et jeunesse CEJ de la Caisse d'allocation familiale de la Réunion. Jean-Daniel Lebon. Monsieur Lebon. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. La Caisse d'allocation familiale, soucieuse de développer sur l'ensemble du territoire national une politique sociale globale cohérente en direction de l'enfance et de la jeunesse, a mis en œuvre le contrat enfance et jeunesse. Le CEJ s'inscrit dans le contrat territorial global CTG présenté et approuvé lors du dernier conseil municipal du 24 juillet dernier. La signature du contrat avec la commune s'est d'ailleurs tenue le 12 août dernier. Aussi, le contrat enfance et jeunesse est un contrat d'objectifs et de cofinancement passé entre la CAF et une collectivité territoriale. Il porte sur une durée de 4 ans. Ce contrat a pour objectif de favoriser le développement et optimiser l'offre d'accueil par un soutien ciblé sur les territoires les moins bien servis au regard des besoins repérés, une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, un encadrement de qualité, une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes, contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par des actions favorisant l'apprentissage de la vie sociale. Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse et de la famille, la commune de Saint-Joseph s'engage depuis de nombreuses années à poursuivre sur son territoire le développement d'actions en faveur de la petite enfance.
Pour les quatre années à venir, il est prévu de développer les nouvelles actions suivantes. L'ouverture de la crèche de Vassando, la transformation des micro-crèches communales centre-ville et Langevin en mode de page, de mode page en mode PSU, prestation service unique, la création d'un poste de coordinateur petite enfance. D'autres actions liées au secteur de la petite enfance en cours de réflexion pourront être intégrées par avenant et bénéficier également d'un accompagnement technique et financier au cours de son contrat. Par conséquent, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le diagnostic du territoire enfance-jeunesse, d'approuver la signature du contrat enfance-jeunesse à intervenir entre la commune de Saint-Joseph et la Caisse d'allocation familiale de La Réunion, d'approuver l'inscription par la commune des actions présentées, d'autoriser le maire à signer le contrat enfance-jeunesse et ou tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Bien. Y a-t-il des questions ? Contrat enfant-jeunesse. Bon, on a eu une réunion avec le directeur de la CAF, le président, bien évidemment, qui n'est pas là ce soir, mais où on a signé donc la CTG, dans laquelle il y avait donc, je dirais, tous les démembrements de cette convention cadre. Et ce soir, donc, nous sommes sur cette étape importante concernant le CEJ, le contrat enfant-jeunesse. Voilà. Et c'est vrai que sur la politique de la petite enfance sur notre territoire, il est question de son redéploiement. Pas de questions ? Au revoir. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci. Jean-Daniel, c'est à toi à nouveau. Sur la signature de la convention de partenariat, école numérique innovante et ruralité. C'est notre thème, hein, nous, en plein dedans. Hein. Deux décennies, la commune de Saint-Joseph s'est engagée dans une politique du numérique conséquente, tant pour le grand public que pour les écoles. La ville a été récompensée à plusieurs reprises par son action en faveur du développement numérique du territoire et elle a fait la promotion du logiciel libre au sein de ses services communaux. Elle a mis en libre certaines applications développées en interne. Afin de développer et favoriser l'accès au numérique aux familles encore éloignées, la commune a choisi de développer l'implantation des espaces publics numériques à travers le déploiement de spots Wi-Fi gratuits avec 5 espaces équipés sur le territoire communal. Elle a également lancé un plan d'équipement informatique dans les écoles en s'appuyant quelquefois sur le plan école numérique rurale avec à ce jour 6 écoles équipées. C'est donc dans une continuité que s'inscrit la participation de la ville au projet ENIA 2 au sein des écoles. Ce projet partagé par la collectivité et l'éducation nationale s'appuie sur un conventionnement qui matérialise l'engagement de chacune des parties. Le coût de l'opération s'élève à 88 590 euros, toutes taxes comprises, et son financement sera assuré à hauteur de 50% par l'État et 50% par la commune. Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention de partenariat École numérique innovante et ruralité, à intervenir avec l'Académie de la Réunion, à solliciter le versement de la subvention correspondant à 50% du coût de l'opération auprès du rectorat, à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Complet. Pas de questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et on note l'arrivée de M. Henri-Claude Morel, très pris ces derniers jours sur ses fonctions donc, de président du conseil d'administration de la CAF. Et donc, M. Harry Mussard rend sa procuration. Bien, affaire numéro 21. Convention de partenariat entre SAMSA-DV et la ville de Saint-Joseph, 2019-2020, autorisation de signature. Marie-André, le joyeux. Si vi pèse, mi pèse. Voilà. C'est bon ? Oui. Allez, causez. Merci. Alors, la ville de Saint-Joseph est soucieuse de favoriser l'accueil du public déficient visuel au sein de la médiathèque du Sud Sauvage. À ce titre, il est nécessaire d'aménager et de mettre en place des actions afin de compenser les inégalités physiques, sensorielles ou intellectuelles. Dans ce cadre, qu'il est proposé aujourd'hui de conclure une convention visant à autoriser le développement des différentes activités bénévoles
proposée par les bénéficiaires du service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés déficience visuelle, SAMHSA-DV. La mission du SAMHSA-DV seront diverses et variées. L'étiquetage braille des documents tout support, la mise en place de l'animation causée lecture, les premiers samedis de chaque mois, la sensibilisation et la déficience visuelle et aux techniques du guide pour le personnel de la médiathèque. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le principe de la signature de la convention en partenariat afférent et d'autoriser le maire à la signer. Bien. Des questions? J'ai pas entendu. Notre visiteur d'honneur qu'a été Gilbert Montagnier, donc, a été intarissable sur ses actions. Et il nous en avait parlé, donc, très récemment. Mais là, c'est avec SAMHSA. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci, mes collègues. Maintenant, on va aller sur l'affaire numéro 22, non pas sur deux affaires séparées, mais une seule, regroupée, puisqu'il s'agira d'approuver l'élaboration du plan communal de sauvegarde et le document d'information communal sur les risques majeurs, le DICRIM. Pas TICRIM, hein, DICRIM. Okay. Donc, c'est Cyril Potin, donc, qui est responsable référent sécurité chez nous, qui nous en fait la présentation. Bonsoir Cyril. Bonsoir à tous, merci Monsieur le Maire. Alors il faut savoir que la commune de Saint-Joseph donc, dispose déjà d'un plan communal de sauvegarde et d'un document d'information communal sur les risques majeurs. Mais au vu des évolutions du traitement donc, des alertes, une refonte de ces documents est à faire par la collectivité. Le plan communal de sauvegarde il va regrouper donc, l'ensemble des documents de compétences communales, contribuant donc, à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine en fonction donc, des risques connus sur le secteur, donc les mesures de sauvegarde, de protection des personnes. Il recense donc, les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Le document d'information communale sur le risque majeur, quant à lui, a pour but d'informer donc, les habitants de la commune sur les risques naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre par la collectivité. Donc, l'élaboration de ce document à destination de la population permet de synthétiser le plan communal de sauvegarde. Il est donc proposé au conseil municipal donc, d'approuver l'élaboration du PCS et du DICRIM et d'autoriser le maire donc, à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Le conseil municipal est invité à en délibérer. Question? Pas de questions? Bien. Bonne présentation. Cyril, on va mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, mes collègues. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à l'affaire numéro 23, pacte de solidarité territoriale 2018-2020. Il s'agit de l'avenant numéro 1 à la convention PST entre la commune, le CCAS et le conseil départemental sur le volet fonctionnement. Madame Cindy Roland, directrice du Centre communal d'action sociale, pour cette présentation. Bonsoir, Madame Roland. Bonsoir à toutes et à tous. Donc en août de l'année dernière, la commune, tout comme le CCAS, avait signé avec le département le pacte de solidarité territoriale, donc le PST, avec un volet investissement pour la commune et un volet fonctionnement social pour le CCAS. Comme le prévoyait la convention, des fiches actions supplémentaires pouvaient à tout moment être rajoutées à la demande des différents signataires. Donc, c'est ce qu'a fait le CCAS en début d'année. Nous avons proposé une fiche action supplémentaire qui porte sur des ateliers adaptés pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Cette fiche action supplémentaire a été validée par le conseil départemental très récemment. Donc la convention étant tripartite, ce qui vous est demandé de faire aujourd'hui, c'est de valider l'avenant numéro 1. De manière à ce que la convention puisse être signée en bonne et due forme dans les semaines qui viennent. Question? Pas de question? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup pour la présentation de ce dossier. Mes chers collègues, sur l'affaire 24, il s'agit de frais de mission dans le cadre de l'exécution de mandats spéciaux et de rencontres cœur de ville à l'invitation à Arras le 1er octobre, c'est ça? Donc le 30 septembre et le 1er octobre, donc par la Banque des Territoires. C'est un dossier important qui porte sur l'action Cœur de Ville.
Les deux personnes qui portent le mandat spécial sont Mohamed Jaffar et moi-même. Donc je propose que l'on s'extrait de cette réunion et que l'on mette cette affaire sous la présidence de Christian Landry. Donc je mets cette proposition en voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc je laisse à Christian le soin de présenter rapidement ce dossier. Hein? Voilà. Christian préside. Et Joël, présent. Merci. Je crois que tout a été dit. Donc, effectivement, Saint-Joseph fait partie des quatre communes de la Réunion à être retenues au titre des 222 dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. Il y a des réseaux d'échange et d'informations sur ce dispositif. Donc, dans ce cadre-là, il est sollicité donc des frais de mission et la mise en œuvre de mandats spéciaux pour deux élus dans le cadre d'une mission qui aurait lieu aux alentours du 1er octobre à Arras. Cette invitation a été formulée par la Banque des Territoires. Donc je précise également que potentiellement un des billets d'avion serait pris en charge par un autre organisme. Donc on l'intègre au niveau de la mission dans les mandats spéciaux, mais l'incidence pour la collectivité devrait être moindre que ce qui est déjà prévu. Donc voilà, pour une information complète de ma part en la matière. Monsieur Landry. Y a-t-il des questions? Donc je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Affaire numéro 25, modification du tableau des emplois permanents et non permanents. Monsieur René-Claude Chevalier, monsieur le DRH. Bonsoir. Bonsoir. Affaire classique, vous avez d'habitude. Donc ce soir, sur les deux tableaux, tableau des emplois permanents et non permanents, il vous est proposé donc d'y apporter des modifications. Tout le personnel concerné est déjà en poste. Donc c'est comme la plupart du temps. Donc, il vous est proposé de créer donc un emploi d'assistant administratif, 5 emplois d'aide documentaliste à 30 heures et un emploi de responsable de site à restauration scolaire à hauteur de 25 heures 23. En ce qui concerne l'emploi qui avait été créé il y a déjà quelques mois, en fin de l'année dernière, de directeur de projet d'action Cœur de Ville, cet emploi avait été créé à hauteur de 90%. Il vous est proposé donc ce soir de rabaisser ce taux d'emploi à 65% au lieu de 90%, puisqu'il est prévu que la CASUD intervienne également dans l'emploi de cette personne. Et enfin, toujours sur le tableau des emplois permanents, donc une modification d'appellation. Tout simplement, pour nos gestionnaires parcours d'emploi d'avenir, on vous propose de les appeler désormais accompagnateurs en parcours socio-professionnel et animateurs de projets socio-professionnels. Socio-culturels. Merci. En ce qui concerne le tableau des emplois non permanents, la création de 4 emplois, un emploi de référent de la salle de convivialité, un emploi d'agent d'entretien, donc à 20 heures, un emploi d'assistant administratif et un emploi d'agent de communication. Là également, comme on avait des emplois de gestionnaire de parcours, il est proposé de faire la même chose que pour les tableaux des emplois permanents, donc de les appeler accompagnateurs en parcours socio-professionnel, animateurs de projets socio-culturels. Il vous est donc demandé d'adopter les compléments et modifications du tableau des emplois permanents et non permanents tels que définis ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document ou pièce se rapportant à cette affaire. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Rivière. Excusez-moi, une question, on va dire, plus d'actualité sur les contrats donc PEC et de savoir un petit peu par rapport à la rentrée s'il y avait eu des difficultés par rapport à ces emplois, parce qu'on parle d'un côté
de quota qui est gelé et en même temps d'une enveloppe supplémentaire, donc de voir si jamais au niveau de la commune il y avait eu des besoins spécifiques ou des besoins non pourvus. Alors, l'actuel président de la République et son gouvernement nous ont habitués à travailler sur l'année calendaire. C'est vrai que c'est confortable sur le plan budgétaire, ça l'est moins sur une année scolaire. Je pense qu'il sait qu'une année scolaire commence en août-septembre pour se terminer en juin-juillet. Mais ces ministères, en tout cas, n'ont pas bougé le petit doigt là-dessus, ce qui fait que la plupart des recrutements sont plutôt faits en janvier-février. Bon, après, la masse a beaucoup baissé ces dernières années. Hein. Donc voilà, on a été là-dessus. Il n'en reste pas moins qu'on a eu une petite vingtaine de personnes qui ont été tout simplement sur la reprise de contrat, soit certains en renouvellement, ce que Pôle emploi avait fait, soit sur des contrats nouveaux, eh bien ces PEC avaient été bloqués ces derniers temps, comme partout ailleurs. Donc il n'y avait pas matière à crise, les gens avaient compris que ce n'était pas nous. Hein. D'ailleurs, dans mes réceptions de public, j'entends souvent cela. Ils ne connaissaient pas vous, monsieur le maire. Mais cela étant, moi je voulais juste rappeler une chose, c'est que les PEC, c'est une solution que les bien défavorable à celle qu'on avait avant, hein, et c'est quand même une solution que l'on a. Nous, le problème, c'est que dans le même temps où l'État nous disait qu'il fallait accélérer et renforcer notre politique en matière de lutte antivectorielle, c'est-à-dire contre le moustique, ça t'y bloque, il y en a d'autres services qui bloquent le dossier en face, c'est quand même un peu dommage. Bon, après, que la ministre soit arrivée et dise que par un coup de baguette magique, elle règle le problème et elle en rajoute 1000, on dirait qu'on a déjà vu ça dans une année précédente. Donc ça commence à faire un feuilleton connu, quoi. Hein. Donc voilà. Mais chat échaudé craint l'eau froide. Ça vous a pas échappé quand même que parmi ceux qui ont le plus pleuré pour gagner TT, il y avait le secteur privé. Donc je voulais juste dire que quand on attribue un PEC ou un contrat aidé au secteur public, on dit souvent que c'est de l'assistanat. Et quand dans le secteur privé, ben certains pleurent pour avoir un PEC, on dit que c'est de l'économie. Chacun appréciera. J'ai répondu à votre question. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, peut-être sur le point René-Claude de préciser concernant le croisement des pourcentages entre la CSU et nous. Je pense qu'à l'avenir, c'est peut-être l'une des solutions qu'il faudra trouver avec les nombreuses compétences qui sont transférées au niveau de l'Interco, si on veut garder une certaine gestion de proximité ou territoriale. Voilà. Après, il reste à savoir comment ça pourrait véritablement être géré. Voilà, voilà. Bon. Merci, monsieur Chevalier. Alors, affaire numéro 26, convention de partenariat, dispositif d'accompagnement vers l'insertion professionnelle. Ça concerne donc la ville de Saint-Joseph et le FBJ qui suit, c'est la directrice, madame Annabelle Ouarot. Bonsoir Annabelle. Bonsoir à tous. Il y a un peu moins d'un an, j'étais présente devant vous. Sylvain Ouarot et moi-même vous présentions une affaire relative à la signature, avec votre accord, ce qui a été fait, d'une convention de partenariat au niveau de la ZAC Les Terrasses avec deux entreprises, le groupe Excellence et l'entreprise Weldom Brico Terrasse. Donc cette convention de partenariat signée le 12 février 2019 a permis le déploiement d'un process innovant sur le territoire avec une dynamique partenariale avec la coordination de la ville pour les déploiements d'outils, des techniques de recrutement visant à mettre en relation des demandes d'emploi et des offres d'emploi. Il vous est proposé ce soir de valider une nouvelle convention de partenariat avec des entreprises qui s'implantent sur l'année prochaine au niveau de la ZAC Les Terrasses, mais également sur notre territoire. Ces entreprises, au niveau de Vincent Audot, sont Super U, Leader Price dans le quartier de la Plaine des Grègues, BCI, Gamme Vert et Burger King, ainsi qu'Atlas. Un erratum vous a été transmis afin que nous puissions intégrer dans un prochain partenariat par l'approbation d'une nouvelle convention, la Holding Manaro. Il s'agit de la station représentée par Monsieur Roland Ouarot, qui n'est pas tout à fait prêt, qui souhaite rejoindre notre partenariat ultérieurement.
Par rapport au recul que nous avons pour le process qui a été mis en place avec la mobilisation des acteurs de l'emploi et le partenariat avec les entreprises, nous sommes contents ce soir de vous proposer de renouveler ce travail en établissant un process, en mobilisant les acteurs du territoire, en organisant toujours des job dating et en activant des process correspondant à nos demandeurs d'emploi. Donc cette convention, si vous en êtes d'accord, sera conduite pour une durée de 2 ans, renouvelable par la signature d'une nouvelle convention. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat, d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et tout document se référant à cette affaire. Merci. Des questions? Pas de questions. Donc, une procédure qui a été mise en place et donc qui se répète. Le groupe Excellence, dont citait Annabelle tout à l'heure, nous faisait valoir que sur l'expérience qu'ils avaient sur Portail Saint-Leu, ils avaient vu qu'il y avait un vrai plus ici avec le village Bouger Jeunesse et en plus la coordination qui avait été mise avec tout le monde. Et c'est vrai qu'on reprenait l'expérience qu'ils avaient mise en place, hein, assurée au niveau de Portail, justement, avec l'école de la deuxième chance, etc. Et on voit les résultats dessus. Bon, moi, je pense qu'il y a en effet un... C'est une projection avec 70 entreprises qui s'implantent, dont des entreprises de Saint-Joseph, bien sûr. Et il y aura un impact emploi certain. Bon, c'est le moment pour d'aucun d'essayer de critiquer. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que ce qui ne bouge pas qui peuvent, bien sûr, donner des leçons. En la matière... Il n'a jamais été prévu que soit ouvert dans la ZAC Les Terrasses une antenne de Pôle emploi. Tout le monde a compris qu'il s'agit bien d'une zone d'activité économique. Et puis, en gros, je veux dire, la critique, si c'est pour critiquer, ben, faut laisser passer, faut laisser couler sur une feuille de songe. Moi, je crois que ceux qui sont malheureux que Saint-Joseph se modernise, ben, je suis malheureux pour eux. Mais bon, après, nous, on est contents pour nous. C'est tout. Je veux dire que ceux-là même qui critiquent seront les premiers à y aller, si ça se trouve, ils y sont allés déjà. Moi, j'y suis pas allé, moi, sauf en visite d'ouverture auparavant. Par contre, quand je vois un certain nombre de beaux dossiers en termes d'entreprises structurantes qui sont en train de s'installer ici, la semaine prochaine, j'irai visiter, moi, par exemple, les travaux de la dame qui est blanchisseuse et que son monsieur, il travaille dans le même domaine. C'est une Saint-Joséphoise et son monsieur, et puis, bon, c'est 11 emplois. C'est avec des petits ruisseaux comme ça aussi que lui rajoute et vimé. Après, oui, les enseignes, bien souvent, c'est ça qu'il faut pour attirer d'autres. Et comme je l'ai dit, ça créera, à mon sens, une dynamisation en cœur de ville. Vous n'êtes pas posé la question, pourquoi Leclerc se crée ici, à la ZAC Les Terrasses, et dans le même temps, un promoteur qui investit dans beaucoup de communes comme Sainte-Rose, comme Plaine des Palmis, comme l'Éperon, comme, comment s'appelle, où est la Caflari? Beau Séjour, comme Petite-Île, comme Saint-Pierre, ce promoteur qui s'appelle Monsieur Lamteau, il investit sur Massandot également. Vous avez fini de voir de Bourg investit pour Perdotte? Ce monsieur nous a dit, monsieur le maire, Leclerc fera sa vie à lui, mais nous, on y fera la note aussi. Et c'est 35 emplois sur Massandot. 9 en déplacement, des gens qui mutent, qui reviennent. 25-26 qui se créent. Ben, je pense que... Et puis ça fait travailler les producteurs locaux, etc. Bon. Donc moi, je voulais dire, en tout cas, sur cette méthode, ben, forcément. Et là-dessus, nous souhaitons que, ben, si l'entreprise a mis dans la roue des personnes pour pouvoir, être en formation, etc., comme elle a, paraît-il, eh bien, un projet futur en fonction de besoins, de faire appel à ces personnes, ben, qu'elles le préviennent et qu'elles les préviennent et qu'elles disent comment ces choses-là vont passer. Mais je pense que si les autres organismes qui sont cités ici veulent prendre justement le même procédé pour pouvoir donc conduire les choses, c'est que quelque part, ça a une certaine résonance. Voilà. Vous avez mis au voir ça, non? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Affaire. Merci. Madame Loireau, affaire numéro 27,
transfert de la compétence production d'énergie renouvelable, études, recherche, aménagement et exploitation de l'énergie géothermique à la communauté d'agglomération du Sud. Qui c'est qui fait la présentation ? Vito ? Vito Folio ? C'est bon, on passe dessus ? Le central. Voilà. Alors, donc, le Conseil communautaire de la CASUD a donc approuvé le 3 mai dernier le transfert, le principe du transfert de la compétence production d'énergie renouvelable, études, aménagement, exploitation de l'énergie géothermique. Donc, c'est une compétence qu'on appelle facultative et elle ne concernerait que des études en matière donc de géothermie. Il faut savoir que la CASUD a déjà donc une compétence donc ce qu'on appelle optionnelle en matière de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et à ce titre donc cette compétence étude se situe dans le prolongement d'une compétence existante. Il faut savoir que le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération pour se prononcer donc sur le transfert proposé. À ce sujet, il faut préciser que la commune a reçu la notification de cette délibération du conseil communautaire de la CASUD le 25 juillet 2019. Donc ce soir, il est proposé au conseil municipal d'approuver le transfert donc, de cette compétence production énergie renouvelable, études, aménagement et exploitation de l'énergie géothermique à la CASUD au titre de ses compétences facultatives. Question ? Pas de question. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le président de la CSU Sud va être très content qu'on ait suivi son souhait là-dessus. Bien, mes collègues, nous avons terminé, épuisé l'ordre du jour. Merci, Monsieur Folio. Je voulais juste vous rappeler que s'entame ce week-end donc le Manapani Festival. Et donc, nous souhaitons à l'association Les Trois Pics, à tous ceux qui s'y affairent, Marie-André notamment, un bon week-end culturel et sportif. Il y a de la glisse, mais la glisse terrestre. Et donc, nous aurons un prochain conseil municipal, vraisemblablement, monsieur le DGS, vers fin novembre. Si on décide que ce soit avant, on vous préviendra. Voilà. Pour l'instant, programmation. Bonne soirée à vous, bon week-end.